Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cet événement exceptionnel organisé par l'Institut La Boétie qui est coprésidé par Jean-Luc Mélenchon et Clémence Guettet. Alors il s'agit ce soir de deux tables rondes avec Julia Cagé, spécialiste d'économie politique, notamment des élections et des médias, et professeur d'économie à Sciences Po, et Thomas Piketty, directeur d'études à l'EHESS et professeur à l'École d'économie de Paris, autour de leur livre, leur premier livre signé en commun, « Une histoire du conflit politique, élections et inégalités sociales en France », publié aux éditions du Seuil. Alors, tous deux ont effectué un travail jamais réalisé auparavant, la recension de toutes les données électorales collectées au niveau des 36 000 communes de France de 1789 à 2022, une somme de 900 pages qui revient sur les scrutins de 12 présidentielles, 41 législatives et 5 référendums. Alors, ce livre s'accompagne aussi d'une base de données inédite mise en ligne gratuitement sur le site interactif unehistoireduconflitpolitique.fr où nous pouvons consulter des graphiques et des cartes avec les chiffres des communes qui nous intéressent. L'objectif de ce travail colossal, c'est d'analyser, en fonction des revenus du milieu social et du lieu de vie, les rapports de force qui dominent le champ politique et leurs liens avec les inégalités sociales. Alors c'est pourquoi, tout naturellement, nous avons appelé cet événement « Géographie des votes de gauche et stratégie de conquête du pouvoir ». Voici comment nous avons organisé la soirée. Tout d'abord, le coprésident de l'Institut La Boétie et l'auteur du livre « Faites mieux » qui sortira le 28 septembre prochain prendra la parole pour nous accueillir et introduire ce dialogue. Puis nous passerons à la première table ronde que nous avons appelée « Des classes géosociales au peuple, comment fédérer le bloc populaire ». Elle durera une heure. En compagnie donc des économistes Julia Cagé et Thomas Piketty, avec Mathilde Panot, députée LFI-NUPES et présidente du groupe LFI-NUPES à l'Assemblée nationale, et Stefano Palombarini, enseignant-chercheur en économie politique, maître de conférence à l'Université Paris 8, co-auteur du livre « L'illusion du bloc bourgeois » avec Bruno Amable, et membre du conseil scientifique de l'Institut La Boétie. Ensuite, une deuxième table ronde durera une heure également, elle sera animée par Paola Collado de l'Institut La Boétie, et portera sur le quatrième bloc, clé des prochaines victoires électorales, point d'interrogation. Toujours avec Julia Cagé et Thomas Piketty, qui dialogueront cette fois avec Manuel Bompard, député LFI-NUPES et coordinateur du mouvement, et Marion Carrel, sociologue et maîtresse de conférences à l'Université de Lille 3. Alors le principe de la soirée, c'est que pour chaque question, on va expliquer des graphiques pour nous autres profanes, afin d'analyser au mieux les données. Mais tout de suite, j'accueille Jean-Luc Mélenchon. Chers amis, en l'absence de ma co-présidente Clémence Guettet, retenue en Guyane par une mission parlementaire, j'ai l'honneur et le bonheur d'ouvrir la soirée et de vous accueillir. Merci à vous tous et vous toutes qui êtes là, avez fait l'effort de vous inscrire, d'arriver à l'heure, de patienter et de nous accueillir très chaleureusement. Merci à vous qui avait accepté notre invitation et on se doutait que ce n'était pas simple à un moment où le livre démarrait et vous êtes très sollicité. Cher Thomas Piketty, cher Julia Cagé, merci infiniment pour le temps que vous nous consacrez. Merci à Stefano Palombarini, économiste et co-auteur de l'illusion du bloc bourgeois, qui est une personnalité structurante de la pensée insoumise dorénavant, même si lui, prudemment, ne conclut pas sur des conclusions définitives, ce qui nous laisse faire. Merci à Marion Carrel aussi pour sa présence.
Mais qu'est-ce que vous faites là, vous ? La table ronde d'après. Ah bon, ah, c'est après, ah, d'accord, faut pas le dire alors, c'est secret. Bon. Alors, Thomas Piketty, Julia Cagé, vous êtes ici en quelque sorte chez vous. Je dis bien en quelque sorte pour ne pas vous exposer à l'inconvénient d'une trop grande démonstration d'affection qui ne vous voudrait pas ensuite que des compliments. Et pourquoi je dis que vous êtes un peu chez vous ? Parce que vous êtes en présence de beaucoup d'insoumis et d'insoumises, et les insoumis, les insoumises pensent que l'analyse électorale est aussi un enjeu idéologique. Et nous avons toujours récusé l'apparente objectivité des commentateurs du 20h qui, moitié résultat partiel, moitié résultat de sondage, bourre le crâne à chaque soirée électorale et le lendemain résume la situation à quelques slogans en général défavorables pour nous. Mais surtout, je veux vous dire, de la part de tous ceux qui prennent au sérieux le savoir, la réflexion, la pensée, la contradiction, dans le sens philosophique de la conférence, c'est-à-dire respectueuse de la parole d'autrui, tâchant de s'en inspirer pour la discuter, la comprendre avec soi, à quel point nous vous sommes reconnaissants du travail scientifique que vous avez accompli. Et nous ne laisserons pas dire que ce sont des petites mains qui ont scanné des kilomètres de résultats électoraux auxquels vous auriez accédé à la faveur de je ne sais quelles accointances. Il a fallu aller chercher, élection par élection, les classements, les étiquettes politiques, y compris quand on les cachait, pour établir le classement que vous avez établi. Et dorénavant, nous disposons d'une banque de données qui est accessible à chacun d'entre vous, qui peut nous permettre de connaître jusqu'au résultat des grands votes de la grande révolution de 89 et notamment des référendums 94-93. C'est énorme. C'est un moment de la pensée que l'existence de cette compilation et sa mise à disposition de tous ceux qui veulent penser par eux-mêmes, chercher et proposer. Merci infiniment pour ce travail et pour nous permettre de pouvoir rappeler que le travail intellectuel est un travail. Alors, je l'ai dit, je suis désolé de vous infliger l'inconvénient d'une tentative de récupération par un hebdomadaire d'extrême droite. Non, pardon, merde, de droite, pardon. De droite extrême. Non, mais pas que je me trompe, parce qu'après, si je parle mal, ça fait des histoires. Il paraît que vous avez écrit un livre anti-mélenchoniste de Piketty et Cagé. Alors, moi, ça me pense plus hein, depuis le temps. Mais comme c'était un livre intéressant, je me disais peut-être qu'ils vont dire qu'il y a des choses qui convergent, d'autres qui divergent. Non, c'est anti-mélenchoniste. Et je n'irai pas plus loin que la lecture de la première ligne. Les deux économistes plaident pour un retour au rapport de classe. dont nous nous éloignons, c'est bien connu. Hein, ce qui nous vaut l'affection universelle que vous pouvez observer. Rapport de classe, loin des combats intersectionnels et minoritaires porté par LFI. Alors, j'en dis pas plus, parce qu'il se trouve que précisément l'analyse électorale, s'il y a quelque chose d'intersectionnel, c'est bien ça. Et, j'ose le dire, aux malheureux qui donnent 5 euros pour acheter ce journal, la sociologie est intersectionnelle, et les sciences humaines d'une manière générale. Mais c'est comme Wok et le reste, on comprend pas, et eux-mêmes, des fois, on n'est pas sûr qu'ils aient compris ce qu'ils racontent. En attendant, il est quand même dit que nous sommes... Vous nous empêchez d'adhérer aux thèses de l'intersectionnalité au détriment de l'union des classes laborieuses. Bon, j'ai rien compris, alors donc j'arrête, parce que pas compris ce qu'il dit. Et puis l'autre mise à distance, c'est avec trop de points d'accord. On va donc se garder de vous dire qu'on est trop d'accord avec vous, parce que des fois on ne l'est pas. Mais dans le cadre d'une réflexion, et peut-être qu'on va changer d'avis ce soir en fonction de ce que diront les différents intervenants. Moi, je suis juste censé introduire. Tout ce que vous avez fait va peut-être nous permettre de faire enfin, c'est de sortir des poncifs et des lieux communs qui accablent tout commentaire sur les résultats électoraux et l'analyse de la situation.
Il est bien connu, depuis 10 ans qu'on le rabâche sur tous les tons, que les classes populaires ont massivement quitté la gauche. C'est vrai, elles ont quitté la gauche traditionnelle massivement. Mais elles nous ont rejoints massivement. Alors, au bout du compte, on peut dire que les classes populaires ont opéré un choix politique à partir du moment où elles en ont eu la possibilité. Et quand elles ne l'avaient pas, eh bien, elles ne pouvaient rien faire et elles se réfugiaient dans une attitude politique, l'abstention, qui n'a pas d'autre racine que le dégoût de la chose publique ou le sentiment qu'elle ne représente rien pour sa propre vie, que la politique est en quelque sorte une sorte de superstructure qui concerne un petit nombre de gens. Ou bien, autre poncif nouveau, la ruralité. Alors, pour ma part, j'ai longtemps lutté contre le messianisme socialiste, auquel je participais à ma manière, qui était « je te raconte ton exploitation et aussitôt surgit en toi l'illumination qui fait de toi un révolutionnaire ». Apparemment, l'histoire de l'humanité prouve que les êtres humains entrent en contact avec la réalité à travers des interfaces culturelles qui souvent peuvent les conduire à faire le contraire de leur propre intérêt. Et comme on l'a dit souvent, personne ne s'est jamais fait tuer pour un différentiel d'inflation, qui est pourtant une chose très précise et très coûteuse, mais souvent on est mort pour une idée aussi confuse que la liberté, l'égalité et même la fraternité. La ruralité suggérerait une conscience de manière spontanée, évidemment une conscience qui la tiendrait à distance de nous. Enfin, dernier élément, qui sera le sujet, je pense, de mes deux camarades, l'impossibilité pour la gauche dite radicale, puisque c'est comme ça qu'on nous appelle souvent, ou bien la gauche anticapitaliste, enfin pour nous, de dépasser un plafond de verre qui, observé depuis le néant d'aucun, à 22% est clairement discernable. Comme si nous avions fait autre chose que de progresser sans cesse et de progresser parce que nous faisions une proposition radicale et concrète. Les croyances dominantes, c'est celles qui nous ont encombré l'esprit sous la houlette de M. Fourquet ou d'autres, qui était la déclinaison non dite d'une thèse, la thèse du choc des civilisations, qui, pour pénétrer d'autres pays, a eu plus de facilité qu'en France, où la tradition de la lutte de classe et l'histoire révolutionnaire rendaient le breuvage difficile à faire absorber. Si bien qu'on en a inventé une déclinaison qui consistait à dire « l'identitaire, le communautaire, détermine la conscience ». Et de là à la religion, il n'y avait qu'un pas à faire, et il a été vite tranchi, exactement comme Samuel Huntington le fait dans son document de triste mémoire. C'est ce que nous espérons tirer de votre lecture. C'est ce que nous avons d'abord compris. Et que la relation sociale, primo, la relation culturelle, secondo, constituait le cadre dans lequel les êtres humains affirment une option politique. Et une option politique n'est rien d'autre qu'une option culturelle, une option morale, une option de vie, et non pas un pur choix utilitaire. Vous nous proposez de nouveaux outils. Alors, je ne vous dis pas qu'on ait déjà tous lu vos 800 pages, ce n'est pas vrai. Si, Bompard, il l'a fait. Mais bon, Bompard, c'est un cas, hein, donc... Il m'a dit, j'ai scanné les 800 pages, je ne sais pas comment il fait, mais enfin, il l'a fait. Donc, méfiez-vous, parce qu'il sait de quoi il parle. Moi, ce que j'ai retenu, l'outil qui m'a intéressé, c'est la classe géosociale. D'abord, j'ai pensé vous rembarrer. J'avais quelques arguments, non mais honnêtes, hein, pas des arguments de mauvaise foi, vous n'êtes pas candidat contre nous, donc ça ne nous dérange pas. Et puis... Je me suis dit, mais je suis mille fois d'accord, c'est eux qui ont raison, ils ont trouvé le mot. Mais ce sont des mots d'économistes et de sociologues. Nous sommes des militants politiques, nous avons des mots politiques. Ce que vous appelez la classe géosociale, pour nous, c'est le peuple. Pourquoi géo ? Géo égale espace. Nous avons, nous, à l'Institut La Boétie, rallié progressivement les thèses de la géographie critique.
L'espace est une production sociale, il n'existe pas par lui-même. Une rivière, c'est surtout la séparation entre deux groupes humains et un pont, c'est-à-dire des œuvres humaines. Je prends cet exemple caricatural, j'en conviens. Mais nous disons derrière David Harvey que, par exemple, l'urbanisation est un choix dans l'histoire qui a été fait à un moment donné, qui est un projet qui s'est imposé difficilement, et puis à l'ère capitaliste, l'aménagement de l'espace se fait sous les normes du capitalisme, avec ses discriminations, avec sa production de rareté qui est spécifique au capitalisme. Et le peuple est cette catégorie sociale que nous identifions comme le nouvel acteur, c'est-à-dire tous ceux qui dépendent des réseaux du collectif pour produire et reproduire leur existence matérielle. Dès lors, le critère de la densité de population devient le critère fondamental parce que c'est lui qui va décrire la forme des relations sociales et donc le niveau plus ou moins élevé de la socialisation. Notre observation dans le grand tumulte que nous vivons, naturellement ce que je dis n'a pas de prétention scientifique, hein, Thomas préfère le dire tout de suite, je n'ai pas cette prétention, mais c'est un peu d'observation, pas mal de matérialisme et de l'expérience. Mais tout ça nous conduit à dire que le processus d'explosion politique que nous vivons depuis 2017 continue sous nos yeux et il se traduit par une réorganisation des forces politiques, des choix politiques. Tant et si bien qu'on a envie de vous dire, les gilets jaunes, c'était les plus éloignés, et maintenant nous voici rendus, avec les révoltes urbaines, au seuil de zones dites rurales, je pourrais vous en citer une longue liste, comme je l'ai perdu, je ne le ferai pas. Oui, je l'ai perdu, c'est assez traditionnel. Mais de villes de 1000, 2000, 10 000 habitants, dans lesquels il y a eu des révoltes urbaines, parce qu'il y avait la population exclue qui était là et qui, à cette occasion, s'est révoltée. N'est pas entrée en émeute, s'est révoltée. Donc nous nous reconnaissons plutôt bien dans ce que vous décrivez et nous nous reconnaissons plutôt mal dans ce qu'on vous fait dire. Vous n'êtes pas les nostalgiques d'une ruralité qui est une manière cachée de rêver d'une France profonde de souche qui n'existe plus. La France est un peuple créolisé. Ou bien une ruralité qui suggérerait une conscience comme autrefois le petit paysan, le métayer, avait une conscience politique liée à sa situation sociale et à son rapport de propriété sur les instruments de production. Tout ça est derrière nous. Et ce dont nous traitons, et dont nous avons l'impression que vous traitez aussi, c'est de cette nouvelle France, dans laquelle la condition sociale s'est homogénéisée dans le sens d'une dépendance à l'égard des réseaux collectifs sans lesquels il est impossible de vivre. D'ailleurs, vous avez tellement raison avec la classe géosociale que nous pouvons dire le peuple est une classe géosociale, mais le capitalisme aussi, puisque par la mondialisation, il a une organisation de l'espace qui rend possible l'accumulation. Et puis nous pourrions dire le vocabulaire politique ordinaire parle géographie, il parle des déserts alimentaires, des déserts médicaux, des déserts éducatifs. Nous parlons donc bien la même langue et le concept de classe géosociale nous convient, en tout cas moi il me convient, je ne sais pas ce que vous vous en direz, il nous convient dès lors que nous disons qu'une population est un peuple quand elle se met à faire de la politique pour ses intérêts communs. Et nous croyons à l'existence de ces intérêts communs. Dès lors, la question stratégique est posée après que Stefano Palombarini nous ait installé le paysage. Il dit il y a une formation d'un bloc bourgeois. Après les élections, on a identifié trois blocs électoraux et la discussion commence. Quelle stratégie appliquer? Nous ne sommes pas, notre boulot n'est pas de faire du sous-Piketty et du sous-Cagé, c'est de proposer une stratégie de conquête du pouvoir. Alors oui, il y a deux stratégies. Pour la milliardième fois, ça recommence, l'attraction pour les prétendues classes moyennes ascendantes qui se reconnaîtraient dans le centrisme et la modération, détestent que les chaussures ne soient pas bien cirées et demandent que l'on porte la cravate en parlant modérément. Outre que pour ma part, je n'ai jamais rencontré ces gens et j'ai eu une longue vie, je peux dire que cette classe n'existe plus. Les classes moyennes ne sont plus ascendantes mais descendantes et vivent dans la peur du déclassement. Et ce déclassement
est l'objet de leur réflexion et de leur choix politique. Par conséquent, toute stratégie qui se proposerait de, comme l'a dit quelqu'un récemment, rassembler les miettes qui tombent du bloc central, du centre et de la droite, est une stratégie qui nous coûterait horriblement cher pour un résultat électoral absolument incertain. La personne que vous voyez ici, Julie Maury, qui a lancé cette soirée, a été la candidate des Insoumis dans le 16e arrondissement. C'est-à-dire en plein milieu bourgeois. Mais figurez-vous que le milieu bourgeois s'arrête au 5e étage. Du 5e jusqu'au 7e, c'est ceux qui servent ceux qui sont en dessous. Eh bien, la campagne a été assez performante, assez franche et assez directe pour que Julie Maury et son suppléant aient fait un score supérieur à celui de Zemmour dans le 16e arrondissement. Et nous avons fait ce score en parlant cru, dru, et personne n'est venu nous dire « Ah, comme vous êtes intelligent, vous nous avez convaincus, on vous donne les clés du camion ». C'est l'inverse, on est venu nous dire « Ah bon, au moins on comprend ce que vous dites, et on est d'accord avec vous, et d'ailleurs on viendra pour voter, le reste du temps on n'y va pas ». Voilà pourquoi il y a une stratégie inutile, et nous croyons, Stéphane nous dira peut-être qu'on se trompe, peut-être que vous nous direz qu'on se trompe, pas tant que vous savez tout depuis 1794, que nous pensons, nous, que bien sûr, alors qui va dire le contraire ? Il faut aller chercher les milieux ruraux déclassés, etc. Qui va dire le contraire ? Bien sûr. Mais le gros de la troupe qui va nous faire gagner, ce sont les quartiers populaires où on vote pour nous à 80% au premier tour, mais où 30% seulement vont voter. Si nous montons à un niveau égal à celui de la participation du reste de la société, nous avons gagné. C'est pourquoi la priorité, c'est de les convaincre, eux, que ça vaut la peine de faire de la politique. Et pour ça, il faut parler clair, net, dru et dur, pour que tout le monde comprenne. Et ça n'est pas de l'exagération. C'est parler une langue que les êtres humains comprennent. Quand on n'a pas de quoi manger à chaque repas, on veut entendre des réponses claires. Pas des phrases qui durent 3 km où on n'a rien compris à la sortie. Qui va payer à la fin ? L'électeur du point. Bon, j'ai conscience d'avoir été un peu sommaire. Et maintenant, nous avons toute la soirée pour entrer dans des choses plus subtiles. Mais, attention, faites attention. Très attention, tout ce qu'ils disent compte. Et nous tâcherons chacun d'en faire notre miel à notre manière. Merci pour votre bienveillante patience. Avec le premier graphique. Là, on m'entend ? Merci. Alors, on va commencer avec un premier graphique parce que pendant cette première table ronde et cette première série de questions d'un quart d'heure, on va commenter les graphiques qui sont dans le livre de Julia Cagé et Thomas Piketty et sur le site aussi que vous pouvez retrouver. Alors, donc, on va voir un premier graphique bientôt qui montre, voilà. Alors, il montre le vote pour chaque bloc en fonction des revenus de la commune. Donc, la courbe rouge, c'est le bloc social écologique, c'est-à-dire la NUPES. La courbe jaune, c'est le bloc libéral progressiste, c'est-à-dire les macronistes. Et la courbe bleue,
Le bloc national patriote, c'est-à-dire le RN, Zemmour et LR. Alors, le graphique est découpé en 12 tranches, horizontalement. Tout à gauche, la première tranche représente les 10% des communes les plus pauvres du pays. Et tout à droite, les 10% suivants. Non, les 10% des communes les plus pauvres du pays. Alors, attends, je me suis trompée. On le fera. 10% les plus riches. Et lorsqu'une courbe est dans la partie haute du graphique, ça veut dire que le vote est plus fort que la moyenne pour le bloc qu'elle représente. Ça va ? Ok. Et inversement, quand elle est dans la moitié basse. Donc, quand une courbe est dans la partie en haut à gauche du graphique, je suis en train de me perdre, et dans la partie basse à droite, comme c'est le cas okay, pour celle du bloc social écologique, c'est-à-dire la NUPES, cela signifie que les communes pauvres votent plus pour lui et les communes riches moins, voire beaucoup moins. Ça va. Alors pour ce graphique, Thomas Piketty et Julia Cagé se fondent sur l'analyse du pourcentage de vote pour chaque bloc électoral et sur la richesse de la commune. Rapportée au nombre d'habitants, celle-ci est appelée revenu communal et correspond à la richesse de la commune par habitant. La population est ensuite répartie en 10 tranches en fonction de leur revenu communal. Ce graphique représente la répartition du vote pour chacun des 3 blocs électoraux, pour chacun des déciles de richesse de la commune par habitant. Si la courbe est au-dessus de la ligne noire, j'espère que vous voyez bien, le vote est positif pour ce bloc dans ce décile de revenu communal. Si elle est en dessous, il vote moins que la moyenne pour ce bloc. Il permet d'établir la caractéristique en termes de revenu du vote pour chaque bloc pour l'élection législative de 2022. C'est peut-être par ça que j'aurais dû commencer. Donc première question à Thomas Piketty et Julia Cagé. Que voit-on sur ce graphique? Bah, vous venez de le dire. Qu'est-ce que je viens de raconter? On va le reprendre un peu. On reprendrait, voilà. Et comment décririez-vous la tripartition politique que vous montrez dans le livre comme étant à l'œuvre aujourd'hui? Et quelle est la nature sociale, la composition de classe de chacun des 3 blocs? Juste pour être clair, c'est 5 minutes chacun ou pour les deux? Oui, c'est pour ça. Je commence alors. Non mais déjà merci beaucoup pour l'invitation, on est vraiment très heureux d'être là pour avoir cette discussion et merci d'avoir pris le temps de lire tout ou partie de ces 864 pages en quelques jours. Donc en fait qu'est-ce qu'on a voulu représenter sur ce graphique là? Il faut d'abord voir l'objectif de départ. L'objectif de départ c'était justement de voir dans quelle mesure toutes les affirmations qu'on entend dans le débat public actuel telles que les classes populaires auraient abandonné la gauche sont vraies ou sont fausses. Nous on avait plutôt l'intuition que c'était faux, mais on s'est dit, bon, ben on va regarder dans les données. On regarde dans les données pour 2022, et je vais vous décrire ce graphique, mais il y a quelque chose qui est extrêmement important dans ce qu'on fait dans le livre. On remonte au référendum, Jean-Luc le rappelait, de 1793. On a toutes les législatives depuis 1848, toutes les présidentielles depuis 1848, et il va y avoir une régularité historique extrêmement forte dans le livre. C'est que si vous prenez l'ensemble des élections législatives depuis 1848, cette relation décroissante entre le revenu et la gauche, on la trouve de manière systématique. C'est quelque chose, c'est pas une nouveauté historique, ça a toujours été le cas, et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc là, on va s'arrêter sur le contemporain, mais c'est quand même vraiment important de le dire historiquement. C'est pas simplement quelque chose qui caractériserait 1936 ou 1981, c'est quelque chose qu'on voit en 1871, 1876, 77, 85, 93, en 32, en 36, en 81, en 2007, en 2012, en 2017, et on le voit encore en 2022, avec des différences au cours de cette période, et une des choses qui caractérise aujourd'hui 2022, c'est cette tripartition. Donc le fait qu'on a 3 blocs différents qui ont à peu près la même base électorale en termes de pourcentage des voix, soit au premier tour des dernières présidentielles, soit au premier tour des dernières législatives, avec 30% pour le bloc que l'on qualifie de social-écologique, 30% pour le bloc libéral-progressiste et 30% pour le bloc national-patriote. Bon, on va commencer en faisant les honneurs à Emmanuel Macron. Donc, si vous regardez la courbe en jaune, et c'est ça qui nous a fait interpréter ce graphique en 10 ans, même si là, on n'a pas la perspective historique
que le vote Macron était le plus bourgeois de l'histoire, on constate deux choses. La première chose, si vous regardez cette courbe jaune, c'est que vous avez une augmentation très forte du vote pour le bloc Ensemble IDI avec le revenu. Donc tout en haut de la distribution, parmi les 1% des communes les plus riches, en gros, vous avez un vote pour Macron qui est 1,4 fois supérieur à sa moyenne nationale. Ce n'est pas une spécificité, ça, du vote Macron, parce que si vous prenez tous les votes pour la droite traditionnelle, vous prenez le vote Giscard, le vote Chirac, le vote Balladur, vous allez avoir en fait cette régularité tout au long de l'histoire, en haut, dans les 10%, 5%, 1% des communes les plus riches, vous avez un vote de droite qui est plus marqué. Ce qu'on ne voit pas sur ce graphique, mais ce qu'on montre dans le livre, c'est que la particularité du vote Macron, vous voyez, vous prenez les D7 là, donc ça va être tout ce qui est en dessous, donc ça va être les 70% des communes les plus modestes. Dans les 70% des communes les plus modestes, le vote pour le bloc Ensemble est systématiquement inférieur à sa moyenne nationale. Et c'est ça la particularité du vote Macron. La droite traditionnelle, historiquement, était capable d'aller conquérir une partie de l'électorat modeste, notamment dans le monde rural. Et cet électorat-là, le bloc Macron l'a entièrement perdu, et c'est ça qui fait qu'ils ont un socle électoral extrêmement fragile, et c'est ça qui nous rend aussi optimistes sur le fait que la tripartition ne nous semble pas très stable pour le futur, parce qu'on ne peut pas gouverner sur le long terme avec simplement, non seulement 30% de l'électorat, mais 30% d'un électorat qui est extrêmement favorisé. C'est ça vraiment la grande fragilité de ce bloc Ensemble. Ensuite, on voit deux choses ici. Bon, la première quand même, ceux qui disent que les classes populaires ont abandonné le bloc de gauche, bah, j'aimerais bien voir où. C'est-à-dire que pour le coup, bah, c'est l'inverse de tout à l'heure. Vous reprenez dans les 70% des communes les plus modestes, vous avez un vote pour le bloc de gauche qui est systématiquement plus élevé que dans le reste de la France. Et alors là, il s'effondre. Les 1%, bravo, hein. Parce que franchement, 30% de la moyenne nationale dans les 1% des communes les plus riches, donc le 16e en fait partie. Mieux que Zemmour, moi je dis bravo. Voilà, vous êtes une irrégularité statistique. Et puis peut-être je te laisse finir sur le bloc national patriote. Merci de me laisser celui-là, oui. Alors. Oui, Julia a presque tout dit. Moi, je veux peut-être juste quelques points. Donc, ce travail, disons, la nouveauté, c'est justement d'essayer de se donner les moyens de comparer dans le temps, de comparer sur des longues périodes historiques, qui a le vote le plus populaire, le plus bourgeois. Ce qui était difficile à faire avant, parce que il faut bien voir que le ministère de l'Intérieur en France numérise les résultats des élections législatives seulement depuis 1993. C'est-à-dire qu'avant 1993, les résultats, ils étaient là aux archives nationales, mais ça n'avait jamais été numérisé. Donc il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur les résultats au niveau départemental, mais au niveau départemental, vous ne voyez pas grand-chose, parce que c'est grand, un département. Et alors qu'en allant au niveau des 36 000 communes, souvent on se moque de la France et de ses 36 000 communes, encore plus de communes que tout le reste de l'Europe. Bon, ben, au moins l'avantage, enfin ça a pas mal d'avantages, la démocratie municipale c'est très important, mais pour le chercheur ça permet aussi de voir les résultats des élections au niveau des 36 000 communes. Et donc quand on range les 36 000 communes des 1% les plus pauvres jusqu'aux 1% les plus riches, et on peut faire ça jusqu'en remontant, donc on commence avec les législatives de 1848 et les présidentielles de 1848, on peut vraiment comparer les courbes des différents candidats, des différents courants politiques, avec différentes notions de richesse. Bon, là, on regarde le revenu. Il y a une autre notion de richesse qu'on utilise beaucoup, qui est la valeur moyenne des logements, qui est quand même très, très parlante. Hein. Dans le 7e arrondissement à Paris, la valeur moyenne d'un logement, c'est 1,2 million d'euros sur les transactions actuelles. En France, la moyenne, c'est 200 000 euros. À Vierzon, c'est 60 000 euros. Donc voilà, vous avez une pente. Sur le revenu, hein, là, juste pour rendre concret ce dont on parle, hein, les 1% des communes les plus riches, dans le 7e arrondissement de Paris, on est actuellement à 110 000 euros de revenus annuels par habitant, en comptant les enfants, hein, y compris les enfants. Donc 10 000 euros par mois, enfants compris. Vous prenez la ligne de métro, vous allez à Pantin, à Aubervilliers, vous êtes à 8 000 euros par an en comptant les enfants, donc à 700 euros par mois. Hein. Là, c'est revenu, toute catégorie de revenus confondus, avant tout abattement ou déduction. Donc le Touquet va être à 70 000 euros par habitant. Donc on a, donc quand on, ces communes, on compare vraiment des mondes sociaux très différents, des expériences sociales, économiques très différentes. On range les communes et ça nous permet d'observer le caractère plus ou moins populaire et bourgeois des différents votes d'une façon
relativement objectif finalement. C'est-à-dire qu'ensuite, bon voilà, nous, toutes les données sont en ligne. Si quelqu'un repère une erreur dans un programme, qu'il nous le dise. Hein, mais je veux dire, toutes les données sont en ligne. On a mis les scans des archives, hein, c'est-à-dire les archives aux archives nationales, on les a photographiées. Toutes les images JPEG, tout ce que vous voulez, sont en ligne. Et puis on a mis les fichiers numérisés par nos soins. Les fichiers avec les revenus par commune sont là. Les fichiers avec la valeur des logements par commune sont là depuis le 19e siècle. Parce qu'autant le revenu, on l'observe que... Alors l'impôt sur le revenu a été créé en 1914 en France, et on commence à avoir de bonnes données sur les revenus à partir de l'entre-deux-guerres, surtout l'après-guerre. La valeur des logements, ça, on peut remonter à la Révolution française, parce que la fiscalité créée par la Révolution française repose... n'est pas très progressiste, d'ailleurs, malheureusement, mais elle repose sur la valeur des logements. On enregistre les valeurs des logements à travers la taxe foncière, la contribution foncière à l'époque. Donc on peut observer au 19e siècle, pour nos 36 000 communes, la valeur moyenne des logements, ce qui donne quand même un bon indicateur de la richesse. Tout ça pour dire que ce genre de courbe, si vous allez sur le site uneHistoireDuConflitPolitique.fr, on a une rubrique qu'on appelle conflit, qui a le vote le plus populaire et le plus bourgeois, et vous pouvez, pour toutes les élections depuis 1848 et pour les principaux référendums depuis 1793 jusqu'au référendum européen de 2005, classer les communes par revenu, voir qui a voté pour qui, etc. Ce qui donne, voilà, simplement une base objective. Alors, ensuite, il y a quand même un ou deux points techniques sur lesquels je voulais insister. C'est que là, vous voyez, ce graphique qu'on regarde ici ensemble, il y a une phrase un peu compliquée dans le titre, « Après tous les contrôles sociodémographiques ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce graphique, il est un peu plus sophistiqué que juste les données brutes, puisqu'on raisonne toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire pour des communes qui ont la même taille d'agglomération, qui vont avoir la même structure professionnelle de diplôme. Donc en fait, c'est vraiment l'effet résiduel du revenu. Ce qui est peut-être plus intéressant, mais je ne veux pas critiquer le choix qui a été fait là, c'est un graphique très intéressant aussi, mais on montre aussi les graphiques avant tout contrôle. C'est-à-dire les graphiques vraiment bruts, 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 où on regarde simplement, on classe les communes par leur revenu moyen et on ne cherche pas à regarder par ailleurs la taille de la commune, le nombre de la proportion d'ouvriers, la proportion de diplômés. On prend en compte uniquement le revenu. Si vous prenez en compte uniquement le revenu, en fait la courbe rouge va être encore plus fortement décroissante au début, elle va être plus haute au début, parce que les communes qui votent à gauche ne sont pas simplement des communes à bas revenus, ça peut être des communes où il y a une forte proportion notamment d'employés dans les services ou d'autres caractéristiques sociales plus jeunes, des communes plus jeunes actuellement, notamment aux dernières élections. Enfin, il y a plein d'autres caractéristiques qui vont ensemble, qui là, sont sur ce graphique-là, sont laissées de côté, d'une certaine façon, puisqu'on va raisonner toutes choses égales par ailleurs. L'autre différence aussi importante, c'est donc justement sur le bloc nationaliste dont tu voulais me faire parler, dont je vais parler. Là, on voit une courbe qui est croissante, qui est légèrement croissante sur les communes les plus riches. Donc autrement dit, les communes les plus riches votent plus que la moyenne pour ce bloc nationaliste. Alors un peu moins que pour le vote Macron, c'est vrai, mais quand même assez nettement croissante. Alors ça, il y a deux explications à ça. C'est que d'abord, on a rajouté LR et Reconquête avec RN. Donc si vous preniez que RN, et donc on donne les résultats séparément... nous, pour chaque élection législative depuis 1848, on distingue entre 8 et 15 nuances politiques. C'est-à-dire la vie politique, c'est beaucoup plus compliqué que la gauche, la droite, le centre. Pour comprendre les législatives, notamment en France, on a besoin de regarder des nuances politiques plus fines. Et donc, nous, nos données de base, c'est entre 8 et 15 nuances politiques qui varient suivant les élections. Alors après, on agrège ça en bloc, parce que c'est quand même utile aussi, cette simplification en coalition de gauche, de droite, du centre, ça a quand même aussi des mérites, un intérêt de regarder les choses comme ça, à condition de ne pas perdre de vue que c'est toujours une simplification d'une réalité politique où les unités élémentaires sont plus fines que ça. Donc si on regardait que RN, la courbe serait quand même décroissante sur les communes les plus riches, qui ne se reconnaissent plus dans le vote RN, qui se reconnaissaient beaucoup dans le vote RN au début de Jean-Marie Le Pen ou chez son prédécesseur Tixier-Vignancourt en 65, où le vote était très fortement croissant dans les communes les plus riches. C'est plus le cas sur le vote RN depuis les années 2000, en gros. Par contre, le vote Zemmour, comme le vote LR, est un vote, alors là, extrêmement bourgeois, c'est-à-dire qu'il croit, alors dans le 16e, il n'a pas fait si bien que ça, mais c'est toujours relativement à son score moyen national, et je suis sûr qu'il a fait mieux dans le 16e que son score moyen national. Et donc si on regarde la pente pour le vote Zemmour, on a un vote qui est encore plus bourgeois que le vote Macron. Alors je ne dis pas ça pour rassurer les macronistes, mais qui n'étaient pas très contents qu'on dise « vous avez le vote le plus bourgeois de l'histoire ». Pour être tout à fait honnête, on trouve des votes comme le vote Zemmour en 2022,
où le vote... le record qu'on a, c'est le vote Madelin en 2002, candidat ultralibéral le plus assumé de l'histoire française, sans doute, et qui, pour faire un très petit score, à 2% au niveau national, mais dans les 1% des communes les plus riches, va faire 4 ou 5 fois son score national, et puis dans les 10% des communes les plus pauvres, va être en dessous de la moitié de son score national. Donc une pente comme on n'a jamais vu, ce qui montre que la méthode permet aussi de révéler la capacité des uns et des autres à séduire des différentes conditions sociales. Enfin, tout ça pour dire, et je m'arrête là, que la courbe bleue est l'addition de forces extrêmement disparates. C'est-à-dire qu'on a un vote LR Reconquête qui est très bourgeois et un vote RN qui, lui, est nettement décroissant. Et ce qui, pour nous, est aussi une des incohérences... Enfin, on voit bien que ce bloc, s'il devait se retrouver à gouverner ensemble, ce que personne ne souhaite, ici, je pense, aurait quand même beaucoup de mal à voter un budget, à voter une loi sur la sécurité sociale. Enfin, sans doute, le RN perdrait ses pseudo-accents gauchistes assez vite et finalement retomberait sur une ligne libérale économiquement qu'il a sans doute jamais vraiment quittée au fond de ses convictions. Mais en tout cas, par rapport à l'affichage public, par exemple sur la réforme des retraites, on a des contradictions entre ces trois forces et dans le profil social des votes qui est extrêmement fort. Donc ça, on le voit pas sur ce graphique parce qu'on a tout rassemblé et aussi parce que c'est après les contrôles sociodémographiques. Et bon, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous pouvez trouver sur le site internet et dans le livre, mais donc, vous pouvez déjà regarder sur le site unehistoiredu-conflit-politique.fr, vous trouverez tous ces profils de vote avant tout contrôle et ensuite toute chose égale par ailleurs en prenant en compte la taille d'agglomération et différentes autres variables. Donc, vous pouvez regarder, et l'un et l'autre sont intéressants. Ce n'est pas qu'il y en a un qu'il faut regarder plutôt que l'autre. C'est différentes perspectives finalement sur la structure du vote qui donnent des informations complémentaires finalement sur qui vote pour qui. Merci. Stéphano, du coup, je me tourne vers toi. Tu as écrit le bloc bourgeois en 2017. Tu as décrit le bloc bourgeois en 2017 dans un livre coécrit avec Bruno Amable, non seulement comme une coalition de faits, mais aussi comme une stratégie d'unification de la bourgeoisie française. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Donc, bonsoir à tous. J'ai lu des livres, donc je ne sais pas si on est très nombreux. Parce qu'en 4 jours, donc je fais un petit exploit, je trouve. Hein. Et donc, c'est d'une richesse au niveau des données, c'est des données complètement inédites, et d'une profondeur historique aussi inédite, grâce à ces données. Il y a une série de résultats qu'on avait obtenus avec Bruno Amable, qui se retrouvent confortés par des données et une méthode qui sont différentes de la nôtre. Il y a des aspects, je trouve, que je vais répondre à ta question, qui échappent à l'analyse quand on utilise des données de ce type. C'est-à-dire qu'un bloc social, c'est une agrégation de classes différentes qui s'est faite sur la base d'un compromis. D'un compromis sélectif, parce que certains intérêts, certaines classes restent exclus du bloc, mais il faut, c'est une stratégie politique qui veut faire émerger un bloc, doit trouver, je dis ça même si par des économistes ça risque d'être mal compris, mais une hypothèse de médiation politique, pas un marchandage, je donne quelque chose à un groupe, quelque chose à un autre groupe. Je dois choisir une stratégie, un horizon, une trajectoire dans laquelle des groupes différents, pour des raisons différentes, se retrouvent. Bon, ce type d'analyse avec les données, là on peut voir si la composante populaire est plus forte ou moins forte, on aura une inclinaison, une autre, de vos droites, mais il n'y a pas la dimension comment on construit un compromis, comment ça s'est fait que les blocs de gauche avaient une composante populaire et une composante bourgeoise, alors que les blocs de droite, quand je dis avaient, la période que je connais justement parce qu'on a travaillé avec d'autres méthodes et beaucoup avec des sondages post-électoraux qui évidemment n'existaient pas les siècles derniers, ni ceux d'avant, enfin les siècles derniers, oui, au 20e. Donc moi je parle de la période des 50 dernières années. Donc dans les 50 dernières années, les blocs de droite et les blocs de gauche, si on prend 1975 jusqu'au quinquennat Hollande, okay, avaient tous les deux une composante populaire et une composante bourgeoise différentes entre elles. Ce n'était pas les mêmes classes populaires, pas les mêmes classes moyennes, pas les mêmes classes bourgeoises. Et
Donc la question qu'on ne peut pas voir si on raisonne sur des données par commune, c'est comment ça tenait ensemble. Hein. Et donc, j'ai dit ça pour arriver à répondre à la question. Il y avait une composante de bourgeoisie de gauche, ça existait. Et pourquoi elle était dans le bloc de gauche? Parce que, il y a une certaine vision du capitalisme français, c'est très ancien, comme un capitalisme qui a du retard, qui doit être modernisé, hein, qui a besoin de réformes. Ça commence avec les modernistes dans les années 1930, hein, si on regarde ça, mais ça se prolonge. Et cette composante de la bourgeoisie, entre guillemets, progressiste, qui pense que le capitalisme français a besoin de réformes pour être compétitif, pour être efficace, etc., pensait que l'autre côté de la bourgeoisie, celle la plus traditionnaliste, la plus conservatrice, etc., n'était pas un bon allié. Et que c'était plus facile de trouver un espace à gauche pour mener la modernisation du capitalisme français. Ça se retrouve dans les années 1970, on appelait la deuxième gauche autour des Rocard. Ce qu'il faut voir après, c'est que dans les tournants entre les années 1970 et les années 1980, où le néolibéralisme devient le paradigme de référence pour la classe dirigeante, cette modernisation, ça se superpose à la réforme néolibérale. Ça devient la même chose, alors que ce n'était pas tout à fait le cas avant. Et donc, comment cette partie de la bourgeoisie qui pensait qu'il fallait réformer le capitalisme français à partir de 1983, disons clairement, en direction néolibérale, comment elle construit un compromis de classe avec une fraction de classe populaire, une fraction de la classe ouvrière, c'est dans une stratégie de réforme qui évite une rupture brutale comme celle qui a lieu dans ces années-là, aux États-Unis sous Reagan, au Royaume-Uni sous Thatcher. Il n'y a pas ça en France, hein. Justement parce que la réforme est pensée dans un compromis avec une partie de la classe ouvrière et une partie de la classe populaire. C'est une réforme progressive qui commence par des domaines moins directement pénalisants pour les classes populaires. Hein, on commence par la libéralisation financière. On commence par des traités de libre-échange. Et on laisse un dernier, la protection sociale, les retraites, la relation salariale, qui sont les domaines où les classes populaires sont directement frappées. Donc, un, c'est ça, c'est la réforme progressive. Et après, le deuxième aspect de ces compromis, c'est, OK, on va dans la direction de la réforme néolibérale, mais en concédant des choses, l'image la plus claire, c'est le gouvernement Jospin, à mes yeux, qui est le gouvernement français qui a le plus privatisé. Si on regarde les montants des privatisations, les plus élevés, c'est sous Jospin. Mais en même temps, Jospin, c'est le gouvernement qui fait les 35 heures. Donc, il concède quelque chose de l'autre côté. Et donc, cette logique de la réforme progressive et dans une forme de compromis permet d'agréger un bloc de gauche, hein, dans lequel il y a une composante bourgeoise et une composante populaire. Problème, d'une certaine façon, ces stratégies épuisent nécessairement son espace à un moment donné. Parce que quand la réforme avance, ah, il arrive un moment où ce qui reste à faire pour, entre guillemets, moderniser le capitalisme français, c'est la loi travail. Hein? Et quand on fait la loi travail, c'est la loi est comprise à l'époque Hollande, le bloc de gauche n'est plus du tout adapté pour soutenir ça. Hein? Et il faut faire la réforme des retraites. Par la réforme des retraites, vous regardez les sondages de la classe populaire, voilà, s'il s'agit d'augmenter l'âge de la retraite, ne veut pas entendre parler, etc., etc. Donc, il y a une espèce d'épuisement endogène, d'une certaine façon, de la stratégie de médiation dans le bloc de gauche. Je ne vais pas parler du bloc de droite, mais c'est un peu la même logique, même si le bloc de droite, en réalité, n'a quasiment pas de stratégie. Dans le bloc de droite, c'est plus on saute d'une stratégie de rupture à la Thatcher, à une stratégie de « il faut faire gaffe à la fracture sociale, il faut réparer la fracture sociale ». La droite française, Chirac, qui est l'image la plus parlante, hein, Chirac a des phases thatchériennes, des phases dans lesquelles dit le libéralisme, je ne vais même pas en entendre parler. Moi, bon. Je n'ai pas le temps de développer ça. Les seuls qui avaient une hypothèse de compromis, c'était Sarkozy. Bon, mais à gauche et à droite, les deux stratégies de médiation entre la composante bourgeoise et la composante populaire, les marges de médiation s'épuisent, okay, et à ce moment-là, enfin, progressivement, avec l'épuisement des marges de médiation, s'ouvre l'espace pour ce que nous, on appelle le bloc bourgeois, qui est le bloc qui permet à Macron d'être élu, hein, dans lequel, en gros, la,
l'ensemble des classes bourgeoises se retrouvent en dépassant le clivage droite-gauche qui est divisé avant. On les retrouve avec Macron, mais c'est aussi dans votre bouquin. On a déjà quelque chose vaguement de ce type dans le référendum de Maastricht. Et on a quelque chose très clairement de ce type dans le référendum de 2005. Hein. Donc, les blocs bourgeois émergent de cette redéfinition. Enfin, effectivement, comme le disait Macron, ça il a raison de ce point de vue. C'est un dépassement du clivage droite-gauche, hein, au sens que c'est un dépassement des compromis qui fondaient les anciens blocs, et c'est l'émergence d'un bloc nouveau qui est exceptionnel d'un certain point de vue, et on le voit, par sa cohérence sociologique. C'est-à-dire que on peut, alors, sur l'étiquette libérale progressiste pour 2022, il y a un peu, pour 2017 peut-être, hein, la dimension progressiste de Macron en 2022, après les gilets jaunes, après tout le reste, c'est plus difficile à voir. Un autre aspect, je pense que vous êtes d'accord, parce que vous le dites, c'est votre plus bourgeois, etc. C'est pas un bloc central. Enfin, c'est central au sens que ça dépasse le clivage droite-gauche. Mais si ça dépasse droite-gauche, ce n'est pas au milieu entre la droite et la gauche. C'est autre chose que le clivage droite-gauche. Et du point de vue sociologique, c'est ce que vous dites. C'est, du point de vue de la hiérarchie des classes, c'est un bloc qui représente le fragment haut de la société française. Donc il n'est pas central non plus de ce point de vue-là. Alors Mathilde, juste... Le son est insuffisant. Moi je parle plus fort, ça va aller. On va justement parler avec toi du bloc de gauche. Comment tu perçois les évolutions internes du bloc de gauche de ces 15 dernières années? Et est-ce que la solidification d'un bloc populaire de gauche est une exception en Europe? J'ai deux autres questions, je te les dis maintenant ou tu veux que... Ouais, je te les dis maintenant. Vas-y. Qu'est-ce qui, dans le travail politique que tu entreprends depuis une dizaine d'années et dans celui de Jean-Luc Mélenchon avant et avec toi, et notamment l'émergence et le développement de la France insoumise, y a selon toi contribué? Alors, déjà, là, vous m'entendez bien? Oui. Super. Donc, merci déjà beaucoup à l'Institut La Boétie de nous permettre de penser et de discuter les travaux dont on est en train de parler depuis tout à l'heure. Et merci à vous, Julia Cagé, Thomas Piketty, pour... cette analyse et cet énorme travail que vous avez fait qui nous aide là aussi à penser. Merci d'avoir tordu le cou en commençant dès le début en expliquant que non, la gauche n'avait pas abandonné les milieux populaires et que, et vous l'expliquez très bien dans le livre à un moment en disant que, effectivement, si la part du vote sur les ouvriers s'est maintenue dans le vote de gauche, c'est notamment maintenant grâce à la gauche de rupture, parce que vous écrivez dans le livre que, à partir des années 90 à peu près, le vote ouvrier a quasiment fondu sur la gauche du Parti socialiste, et que c'est justement grâce à la gauche de rupture que cette part des ouvriers dans le vote continue. Alors déjà, pour peut-être commencer, nous on a réussi quelque chose en France qui est assez exceptionnel en Europe. C'est ce que les Espagnols appellent le sorpaso, c'est-à-dire le fait d'avoir dépassé la social-démocratie. Je dis que c'est assez unique en Europe parce que quand vous regardez les pays autour de nous, vous avez des pays où la gauche gouverne ou a fait des coalitions, mais souvent autour de la gauche plutôt traditionnelle, d'accompagnement, quelle que soit la manière dont vous l'appelez, et donc pas autour d'un programme de rupture comme nous on a réussi à le faire avec la NUPES. Ou alors vous avez carrément ce qui se passe en Allemagne régulièrement, des grandes coalitions avec la social-démocratie qui va gouverner directement avec la droite. Donc le fait qu'on ait réussi ça a consolidé un bloc de populaire, un bloc de gauche, qui pour nous est une chose qui nous donne une certaine responsabilité aussi en Europe, quand on voit qu'en Europe, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut réouvrir la brèche, et la France est, je crois, un endroit où on peut réouvrir la brèche pour aider les autres peuples en Europe. Ça, c'est la première chose. Parce que le danger qu'on a en France, on dit souvent que l'Italie est notre nation sœur, le danger qui a pesé sur la France pendant longtemps, c'est d'avoir un scénario type à l'italienne, c'est-à-dire la disparition quasi totale d'une gauche, et avec nombre de pays en Europe maintenant où l'extrême droite arrive au pouvoir, prend le pouvoir et même le garde longtemps comme ça se passe dans des pays. Donc on a une responsabilité particulière, on a réussi à dépasser la social-démocratie et on a réussi
à faire un bloc de, populaire qui est solide. Je donne juste le résultat en 2022 du vote Mélenchon et de l'Union populaire. Premier vote chez les jeunes de moins de 35 ans, premier vote chez ceux qui gagnent moins de 900 euros, premier vote chez les salariés en CDD, premier vote chez les chômeurs, premier vote chez les intérimaires et premier vote aussi dans les territoires ultramarins avec des scores qui parfois sont extrêmement impressionnants. Je pense à la Guadeloupe 56%, à la Martinique 53% ou à la Guyane 50% au premier tour de l'élection présidentielle. Alors pourquoi est-ce que nous on a réussi ça ? D'abord parce qu'on a tout misé sur la question du programme. Et un programme qui était en rupture claire avec le système. C'était d'autant plus important qu'il fallait se rappeler qu'on a construit tout ça après François Hollande, avec tout le dégoût politique que ça a créé, d'avoir trahi des engagements. Vous vous rappelez, mon ennemi c'est la finance. Et puis après, la loi travail, tu en reparlais, mais aussi la déchéance de nationalité, etc. etc. Donc, c'était d'autant plus important de dire, nous on construit sur des choses sur lesquelles on ne ment pas, sur lesquelles on est clair sur ce qu'on fait, et c'est à partir de là qu'on peut rejoindre. On peut rajouter à côté le mouvement, mais vous allez en parler après, donc je ne vais pas développer sur quelle analyse on a développé le mouvement, mais ça venait d'une analyse de la manière dont il y avait un éparpillement aussi de la société, et qui permettait deux choses à mon avis importantes, de faire reconnaître beaucoup de gens comme militants, qui ne sont pas juste les gens qui vont tracter tous les jours, quatre fois par jour, mais de faire reconnaître ça beaucoup plus large, et de fédérer autour de l'action. Et d'ailleurs, c'était impressionnant, parce que moi, je me rappelle en 2016, au moment où on fonde la France Insoumise, vous avez par exemple des gens de droite qui sont venus militer avec nous en disant, moi, dans ma famille, j'ai toujours cru que j'étais de droite, parce que... Non, je ne parle pas d'Antoine Léaumont, Daniel Obono. Même si on peut le considérer comme... Mais des militants qui arrivaient, qui disaient « moi j'étais de droite, dans ma famille on sociabilisait en disant qu'on était de droite ». Et donc, en fait, quand vous avez commencé à faire la Fédération du Peuple, j'ai commencé à regarder votre programme, et en fait je me suis rendu compte que j'étais d'accord avec vous. Et que, en fait, je n'étais pas de droite. Et donc, qui sont venus militer avec nous. Donc le fait qu'on ait basé tout ce qu'on a créé sur la question d'un programme clair, qui est un programme de rupture, je crois que c'est la condition du socle du bloc populaire qu'on a créé, et ça rejoint d'ailleurs des données que vous montrez, à la fois sur la permanence que tu disais, Julia, tout à l'heure, de même que sur le fait que la convergence des votes qu'on observe depuis 2017, elle s'est basée à la fois sur la gauche du rupture, elle a rejoint la gauche du rupture, et dans sa composition sociologique, elle rejoint aussi la gauche du rupture, et donc je crois que continuer sur le fait qu'il faut une rupture claire dans notre programme, et continuer coûte que coûte à tenir des lignes claires sur des choses, eh bien je crois que c'est la clé pour garder un bloc populaire digne de ce nom, qui permettra, je l'espère, de faire rompre Emmanuel Macron. Et j'aimais bien ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que ça donnait de l'espoir, qu'ils étaient assis sur 30% de la population et avec un enracinement dans le pays qui est quasi inexistant. Et ça, c'est une des choses sur lesquelles on travaille aussi à la France Insoumise, de continuer à faire en sorte que partout dans le pays, on puisse s'enraciner. On en reparlera juste après. Alors, c'est le moment du deuxième graphique. Alors, celui-ci s'appelle donc les déterminants géosociaux du vote gauche-droite. J'espère que je vais être la plus claire possible. Alors, donc, quand on parle de déterminants sociaux et géographiques du vote, on parle de combien le vote bascule de droite à gauche, ou l'inverse, selon le type de commune ou la richesse économique. Alors, la courbe verte représente la part du vote qui change en fonction de la taille de la commune. Jusque-là, ça va. La courbe violette, la part du vote qui change en fonction de la richesse. Et la courbe jaune, la part du vote qui change en comptant les deux critères. Horizontalement, ce sont les années de 1848 à 2022. Et on voit clairement apparaître un résultat. Le déterminant social du vote n'a jamais été aussi fort aujourd'hui qu'aujourd'hui. Et ce graphique tente à montrer que le vote de classe n'est pas mort, bien au contraire. Alors, Thomas Piketty et Julia Cagé, quelles sont selon vous les aspirations des votes qui se sont exprimés en faveur du bloc de gauche ? Quels sont ses principaux déterminants ? Parce qu'on pense à certains éditorialistes plutôt conservateurs qui parlent de vote musulman, de vote identitaire de gauche. Est-ce que ça peut tenir la route scientifiquement ? Je sais pas qui veut y aller en premier. Tu veux ?
Non, mais alors on voit plusieurs choses ici. Ce qu'on essaie de montrer, en fait, c'est le rôle joué par les différents facteurs dans l'explication des différences de vote entre les différentes communes. Ici, en fait, on montre les différents facteurs géosociaux. Donc il y a à la fois là où vous vous situez dans les territoires, donc on va parler de villages, de bourgs, de banlieues, de métropoles, on peut simplement regarder la taille de la ville où vous habitez, la taille de l'agglomération à laquelle vous êtes rattaché. Et ensuite il y a tous les déterminants plus économiques, le revenu, le capital immobilier, le patrimoine, l'éducation, la profession, et ça va beaucoup jouer la différence entre les ouvriers et les employés. Et tous ces facteurs-là, en fait, pris ensemble, donc ce qu'on a appelé la classe géosociale dans le livre, ça explique, donc là c'est pour les élections législatives, donc vous avez remarqué, si on est un peu le moins bon, ça explique 40% des votes. Si on prend sur la dernière présidentielle, on a quand même un vote plus national, sans les particularismes locaux, l'attachement à tel ou tel homme ou femme politique locale, on monte à 70% de pouvoir explicatif avec ces déterminants géosociaux. Juste pour vous donner un ordre d'idée, en 1981, ce qui est quand même l'élection qu'on voit comme la grande élection historique de clivage entre la droite et la gauche, en 1981, on expliquait 50% des différences de vote entre la droite et la gauche avec les mêmes facteurs. 1848, on explique 30%. Donc on n'a jamais vu un tel pouvoir explicatif de ces variables géosociales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on prend ces variables géosociales et qu'on rajoute l'immigration, qu'on rajoute des mesures d'identité, donc la religion, le pourcentage d'immigrés, le pourcentage d'étrangers dans la commune, alors on va monter à 72-73% de valeurs explicatives. Ça a quasiment aucun pouvoir explicatif additionnel. Et ça, c'est vrai, depuis qu'on a sorti le livre, c'est un peu ce qui rend fou les commentateurs. Ils disent, ils n'ont rien compris. Et la question, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, et c'est aussi une manière de répondre à votre question, c'est-à-dire qu'est-ce qui va jouer dans le vote de gauche et qu'est-ce qui va aussi jouer dans le vote aujourd'hui pour le Rassemblement national. Donc il y a notamment cette idée de dire, bon, un, on tord le cou, mais ça on l'a dit tout à l'heure, à un fait qui est non établi scientifiquement, comme quoi les classes populaires auraient abandonné la gauche, c'est pas le cas, mais il y a quand même une division des classes populaires au niveau du vote. Vous avez des classes populaires urbaines, qui sont majoritairement employés. Et ce qui est très important de souligner en France, c'est que les employés, depuis 20 ou 30 ans, ont en moyenne un salaire qui est inférieur au salaire des ouvriers. Ça va être les employés de services, du commerce, du secteur du soin, les caissières de supermarchés. C'est souvent des femmes, c'est pas que des femmes, mais avec des emplois très précarisés. Et tous ces employés qui vivent plus dans le monde urbain, avec des emplois précarisés, qui sont plus aussi parfois dans une ascension sociale par le diplôme, votent très fortement, ça a toujours été le cas, et continue à voter très fortement pour le bloc de gauche. Et vous avez des classes populaires rurales qui sont davantage ouvrières, qui ont davantage subi la désindustrialisation, la concurrence liée à l'ouverture au commerce international, qui ont des revenus faibles, un peu plus élevés, qui sont davantage propriétaires, et leur stratégie d'ascension sociale est différente, elle se fait davantage par l'accession à la propriété et moins par le diplôme, aussi dû à des caractéristiques du territoire, parce que c'est plus facile d'accéder à l'université quand vous êtes dans les métropoles que quand vous êtes dans les villages et les bourgs. Et ces classes populaires-là, aujourd'hui, elles votent majoritairement pour le Rassemblement national. Et ce qui est important dans ce qu'on montre avec ce faible pouvoir explicatif de l'immigration, c'est que ça se joue avant tout sur des questions socio-économiques, abandon en termes de services publics, désindustrialisation, pour les ouvriers, bah justement, sentiment d'avoir subi l'ouverture au commerce international, faible revenu, problème aujourd'hui lié à l'accès à la propriété quand vous avez une explosion des taux d'intérêt, et ça ne se joue pas tellement sur le rôle de l'immigration. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça, c'est quand même extrêmement important de le voir. Hein. Vous prenez le premier vote Front National, enfin on peut le qualifier comme ça, c'était pas le Front National, 1965, Tixier Vignancourt, son directeur de campagne, c'était Jean-Marie Le Pen, donc ça lui a quand même fait une petite préparation. Corrélation extrêmement forte entre le pourcentage d'immigrés dans la commune et le vote Tixier-Vignancourt. Et c'est aussi un vote qui est très urbain et c'est un vote qui est très bourgeois. 74, Jean-Marie Le Pen, c'est pareil. 80, il n'a pas ses signatures, il ne peut pas se présenter. 88, on retrouve la même corrélation. Ça s'affaiblit un peu en 95. Ça va commencer à s'inverser. Et en fait, en 2022, la relation est presque inverse entre le pourcentage d'immigrés dans la commune et le vote pour Marine Le Pen. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Et une des raisons pour laquelle c'est le cas, c'est qu'en fait, la droite traditionnelle, à commencer par Jacques Chirac,
1980. Tout à l'heure, vous soulignez les deux facettes de Jacques Chirac, qu'on voit souvent comme le gentil homme politique de droite. Bah, 1991, son discours sur le bruit et l'odeur, il n'est pas fondamentalement gentil. On pourrait le qualifier d'anti-immigré, moi je serais plutôt tenté quand même de le qualifier de franchement raciste. Ça va attirer en fait une partie de l'électorat urbain anti-immigré, un peu favorisé, qui se tournait davantage vers Jean-Marie Le Pen à l'époque. 2007, vous avez Sarkozy, lui qui y va franco, à coups de racaille, karcher, nettoyer les banlieues, et en fait il va finir finalement d'attirer ce vote urbain favorisé, libéral, très clairement, et anti-immigré. Et en fait le Rassemblement National se retrouve, et c'est un peu comme ça qu'on l'interprète dans le livre, c'est pas tellement par choix, c'est pas tellement qu'ils ont inversé eux-mêmes leur discours sur l'immigration, ils se retrouvent un peu par défaut avec un vote qui est plus populaire, plus rural et qui vote moins sur les questions d'immigration. Et ça, d'une certaine manière, c'est un peu la bonne nouvelle pour la gauche. Parce que, il y aura le graphique d'après, vous nous avez montré les graphiques, donc je ne vais pas trop marcher sur le prochain graphique, mais une des caractéristiques qui est importante et qu'on voit dans le livre, c'est que finalement, d'un point de vue socio-économique, du point de vue de leurs caractéristiques, faiblesse du revenu, faiblesse du patrimoine, fragilité face à la situation de l'emploi, cet électorat-là, cet électorat des classes populaires rurales, ce n'est pas un électorat raciste, ce n'est pas un électorat... Alors, il y en a qui vont dire qu'il y a des affects négatifs, qui seraient fondamentalement défiants, qui n'aimeraient pas ses voisins. Non, c'est un électorat qui a été déçu par la droite au pouvoir et aussi par la gauche au pouvoir, notamment à cause de Maastricht, de l'ouverture au commerce international, de la désindustrialisation. Vous citiez Jospin, des discours de Jospin, quand Jospin dit « l'État ne peut pas tout » au moment où Michelin licencie à tour de bras et qu'il y a des milliers d'emplois industriels qui disparaissent et qui, du coup, par défaut, se tournent vers le Rassemblement National. Mais l'essentiel, et ça, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Luc, c'est qu'avant de se retourner vers le Rassemblement National, ils se tournent quand même vers l'abstention. Et c'est quand même un électorat qui, majoritairement, ne vote pas aujourd'hui. Ça rappelle aussi, d'ailleurs, le fait que, contrairement à ce que disent beaucoup de commentateurs, si c'était un électorat raciste ou très anti-immigré, franchement, ils iraient voter à 100%, parce que l'offre politique, ils auraient l'embarras du choix. Ils ne vont pas voter, donc ils sont plutôt déçus. Et donc cet électorat-là, nous on pense, et c'est ça qui nous rend optimistes sur les possibilités de victoire de la gauche dans le futur, à la fois celui qui se déplace aujourd'hui pour le Rassemblement National, et surtout celui qui s'abstient, on pense que c'est un électorat qui peut rejoindre la gauche, parce que d'un point de vue socio-économique, en fait, il est assez proche de l'électorat qui vote aujourd'hui pour ce bloc de gauche. Bon, t'as à nouveau tout dit, donc je vais pas... Non, juste pour dire, le résultat le plus frappant de cette recherche, c'est sans doute effectivement que la classe sociale, la classe géosociale, n'a jamais compté autant dans les dernières élections en France que sur les deux siècles écoulés. Comme le disait Julia, là on a 40% des écarts de vote entre communes qu'on explique simplement avec la richesse économique, la taille d'agglomération. Si on rajoute l'éducation, le diplôme, la profession, on monte à 50, et sur les présidentielles, on monte à 70%, Julia le disait, donc encore plus que sur les législatives. Dans tous les cas, on est en 2022 au plus haut niveau sur deux siècles, ce qui est quand même très frappant. Deuxième résultat très frappant, on rajoute les origines sur lesquelles on nous bassine matin, midi et soir, on explique 2, 3, 4% de variances supplémentaires. C'est beaucoup moins important que les variables lourdes, sociales, de richesse, d'inscription dans le tissu productif, dans le tissu territorial. Donc voilà, la position dans la structure de classe, c'est pas une obsession qu'on aurait parce qu'on serait des crypto-marxistes de je ne sais pas quoi. C'est juste que si on essaye de rendre compte de la façon dont les gens votent, c'est ça qui va être très lourd, beaucoup plus que les origines. Et je pense que, dans le fond, c'est plutôt une bonne nouvelle que la société française soit plus que jamais dans une... Oui, dans une lutte de classe, mais une lutte de classe démocratique qui peut se... Il y a des solutions qui passent par l'alternance démocratique, par les élections. C'est une lutte de classe complexe parce que la structure de classe s'est complexifiée. Enfin, elle a toujours été complexe, la structure de classe. Mais là, elle s'est encore plus complexifiée dans le cadre d'un État social avancé où on a des secteurs dans la santé, dans l'éducation, avec des métiers très difficiles, dans le soin, qui ne sont pas les métiers de l'industrie, de l'ouvrier dans l'industrie, qui sont d'autres classes populaires. Donc la structure des classes populaires s'est complexifiée. Tout ça
dans le cadre d'une concurrence internationale débridée qui crée aussi des nouvelles inégalités. Donc la structure de classe s'est complexifiée et ça explique en partie cette tripartition, mais ce sont des facteurs socio-économiques qui permettent de le comprendre. Dernier point, mais je pense qu'on y reviendra ensuite, le premier critère, c'est vraiment la richesse. Alors ici, ce qu'on appelle la richesse, c'est le revenu, le capital immobilier, la proportion de propriétaires. Mais la taille d'agglomération et de commune, c'est-à-dire l'inscription vraiment dans le territoire, a aussi pris lors des dernières élections une importance considérable. Et plus généralement, alors si on regarde plus spécifiquement les écarts de vote entre le monde rural et le monde urbain qu'évoquait Jean-Luc tout à l'heure, un des résultats qui nous a vraiment frappés, c'est qu'on a retrouvé au cours des 20-30 dernières années un écart de vote entre le monde rural et le monde urbain, qu'on n'avait pas vu depuis la fin du XIXe siècle. Alors c'est vrai, le monde rural a toujours voté plus à droite que le monde urbain. Ça, c'est toutes les législatives de 1848 à 2022. Mais pendant l'essentiel du XXe siècle, l'écart était en fait très faible. L'élection de 81, Mitterrand fait presque le même score dans les villages et les bourgs, dans les banlieues et les métropoles. C'est-à-dire, oui, il y a toujours un écart qui va dans le même sens, mais qui est quantitativement très faible pendant l'essentiel du XXe siècle. Et nous, notre interprétation, c'est que la bipolarisation gauche-droite, elle arrive aussi à triompher historiquement quand elle arrive à faire passer le conflit social par-dessus le conflit territorial. Et finalement, à convaincre que les classes populaires rurales et urbaines, finalement, ce qui les rapproche est plus important que ce qui les divise. En tout cas, c'est ce qu'on observe historiquement, c'est-à-dire qu'il y a une longue période de 1910-1920 jusqu'en 1980-90 où cet écart de vote rural-urbain est beaucoup plus réduit que ce qu'il était à la fin du 19e siècle avec un clivage paysan-ouvrier très fort, mais qu'on retrouve aujourd'hui. Alors pourtant, ce n'est plus le clivage paysan-ouvrier, les choses se sont complexifiées. Il y a effectivement aujourd'hui, comme le disait Julia, plus d'ouvriers dans les bourgs et les villages que dans les banlieues et les métropoles, ce qui est quelque chose, moi, je ne réalisais pas, je dois dire, avant cette recherche, à quel point, bon, historiquement, évidemment, c'est le contraire. Jusqu'aux années 70-80, les ouvriers sont dans les banlieues et les métropoles. Sauf que les premières industrialisations, c'est aussi celle où la désindustrialisation va commencer le plus vite, alors qu'il y a une nouvelle vague d'industrialisation modeste, bah, historiquement, mais qui finit par devenir importante à partir des années 70-80, dans les zones, dans les bourgs, dans les villages, souvent dans des entrepôts logistiques ou l'industrie agroalimentaire ou des centres qui s'installent près de nœuds autoroutiers où le foncier est moins cher. Parfois, c'est aussi des stratégies patronales politiques, giscardiennes notamment, pompidoliennes, pour éviter les syndicats dans les banlieues et donc d'aller s'installer dans des endroits où historiquement les syndicats sont moins présents. Toujours est-il qu'au final, à partir des années 80-90, on a une proportion d'ouvriers dans la population active qui est plus forte dans les villages et dans les bourgs que dans les banlieues et les métropoles où il y a plus d'employés des services. Alors, ce qui ne veut pas dire que les classes populaires sont passées dans les villages et les bourgs, parce qu'il y a une espèce d'équation classe populaire égale ouvrier qu'on entend parfois dans le discours public. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Julia le rappelait, le salaire moyen des employés est passé en dessous de celui des ouvriers depuis 30 ans en France. Et les emplois les plus précarisés, les horaires de travail les plus émiettés, ce sont des métiers d'employés dans les services, des métiers dans le nettoyage, le soin, les caissières, etc. Cette nouvelle coupure entre ouvriers plutôt des bourgs et des villages et employés plutôt du monde urbain, c'est une coupure très lourde qui n'est pas la coupure paysan-ouvrier du 19e siècle. C'est un autre monde, mais c'est toujours du socio-économique. Ce ne sont pas les origines. Parce qu'en fait, si on compare dans le monde urbain des banlieues où il n'y a pas du tout ou très peu de population d'origine immigrée, en fait, ça ne va pas faire beaucoup de différence. Ce qui fait une différence, c'est d'avoir des employés, des services précarisés et quelles que soient leurs origines. Donc, vous voyez, on est dans du socio-économique, mais du socio-économique lourd. C'est-à-dire, allons pas nous imaginer, par exemple, que le vote ouvrier, comme ça, va revenir rapidement, par enchantement, du RN à la gauche. On pense que c'est possible, mais il faut quand même s'interroger sur un sentiment d'abandon face à la concurrence internationale, l'intégration européenne, sentiment auquel, bien sûr, la France insoumise, depuis ses origines, cherche à répondre. Mais on n'y est pas encore complètement arrivé. C'est-à-dire que c'est pas si simple. Et donc, là, il faut quand même prendre au sérieux ce grand schisme rural-urbain qui n'est pas, et je veux là-dessus peut-être rebondir sur ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, le monde rural, contrairement à ce qu'on s'est imaginé parfois historiquement à gauche et qu'on continue peut-être parfois de s'imaginer, n'est pas structurellement plus conservateur ou plus à droite que le monde urbain. C'est-à-dire déjà, c'est pour ça aussi qu'on remonte à la Révolution française, c'est-à-dire après la Révolution française, les zones rurales qui vont se mettre à voter à droite, ce sont souvent les endroits qui, au moment des cahiers de doléances,
pendant la Révolution française, étaient les plus révolutionnaires. C'était les zones rurales qui demandaient le plus, par exemple, de saisir les biens ecclésiastiques, les biens des monastères, pour les redistribuer à eux, pour accéder à la propriété terrienne, parce que c'était aussi une volonté d'émancipation, de pouvoir travailler pour soi. C'était de l'autogestion à leur façon. Eh bien, ces classes rurales vont être très déçues par la Révolution française, parce qu'en fait, les biens de l'Église vont certes être nationalisés, expropriés, mais en fait, vont être mis aux enchères au bénéfice des classes aisées, urbaines, bourgeoises ou nobles, qui ont les moyens pour les acheter. Ça va permettre de rembourser la dette publique de l'époque. On aurait mieux fait de s'en débarrasser d'une autre façon, évidemment. Mais toujours est-il que c'est une énorme arnaque pour les paysans qui espéraient accéder à la propriété terrienne. Et s'ils se mettent à voter à droite, c'est d'abord parce qu'il y a cette déception face à la Révolution française, alors que dans les cahiers de doléances, c'était les plus révolutionnaires qui voulaient occuper des parcelles et qui sont à l'origine de la Révolution française. Donc n'allons pas droitiser ou expliquer que les milieux ruraux sont spontanément conservateurs, etc. Et aujourd'hui, c'est un autre schisme économique, d'autres divisions économiques, mais il faut y répondre par des réponses socio-économiques adaptées plutôt que de partir du principe qu'on est face à des groupes qui sont structurellement par nature plus conservateurs. Alors justement, Stefano, toi, tu apportes des nuances, non pas tant en minimisant la composante économique du vote, qu'en expliquant justement que d'autres motivations sociales et politiques marquaient le bloc de gauche et en miroir le bloc d'extrême droite. Qu'en est-il selon toi ? Donc oui, je suis totalement, enfin, je veux dire, avec d'autres méthodes, avec d'autres types de données, mais nous, avec Bruno, on travaille aussi avec cette idée centrale que les positions de classe sont complètement déterminantes dans les comportements politiques, pas seulement dans les comportements électoraux, dans les comportements politiques. Et donc, je ne reprocherai pas aux auteurs, c'est que des politistes ont déjà commencé à vous faire, et ils vous référeront beaucoup, parce que je connais un peu les politistes, ils vous diront qu'il y a un axe économique, mais il y a un axe culturel. C'est comme si c'était des axes indépendants. Et donc, de temps en temps, les gens votent pour des raisons économiques, de temps en temps, ils votent pour des raisons entre guillemets culturelles, comme l'immigration, le racisme, etc. Bon, je ne suis pas du tout dans ce type de critique-là, parce que moi aussi, je pense qu'en réalité, on le voit dans vos données, hein, c'est un des intérêts de votre livre, c'est de montrer que les positions de classe sont structurantes. Maintenant, il y a des questions qui restent ouvertes, si vous voulez. Hein. OK, les positions de classe sont structurantes, alors je caricature, un ouvrier qui vote à la campagne, un ouvrier qui habite la campagne et qui a un revenu, disons, de classe moyenne inférieure, et il vote Le Pen. Bon, pourquoi il vote Le Pen ? Qu'est-ce qu'il y a dans le programme de Le Pen qui fait que ce type de... Alors que c'est vrai, hein, je veux dire, c'est pas systématique, mais il y a quelque chose de ce type. La question, c'est pourquoi. Et à mon avis, ça, on ne peut pas tout écrire sur un bouquin sur une période historique aussi longue, mais il y a un point de méthode sur lequel ce que nous faisons, c'est un peu différent. C'est-à-dire que nous considérons que les positions objectives qu'on occupe dans la structure sociale conditionnent les comportements politiques. Okay, les positions objectives, je vais dire, moi, je suis un homme, je suis blanc, j'ai 56 ans, j'habite en banlieue parisienne, et je suis un maître de conférence, etc., etc. Et j'ai un certain revenu. Et ça, c'est ma position objective. Elle conditionne le type d'attente que j'ai vis-à-vis des politiques publiques et le type d'espoir que j'ai sur le devenir social, etc. C'est conditionné par la position de classe, mais ça ne le détermine pas parce qu'il y a un filtre, disons, idéologique, hein, qui est un terrain de lutte, c'est le terrain de la lutte politique par excellence. Hein. Si on veut faire une histoire du conflit politique, une des dimensions, c'est comment on traduit des positions objectives de la structure dans des attentes sur l'évolution politique souhaitable, sur les politiques publiques qu'on attend, etc. Et alors, ce qui manque dans votre bouquin, je pense, c'est que si on prend les 45 dernières années, l'élément, enfin, si on devait dire vraiment un élément, enfin, il y en a plein, mais un élément qui est complètement décisif pour comprendre ce qui s'est passé depuis 40 ou 45 ans, c'est les tournants hégémoniques, j'évoquais déjà tout à l'heure, en direction du néolibéralisme. Okay. Qui ça vous emparait de temps en temps du fait que les gens s'inscrivent dans des visions du monde. Hein. Et la vision du monde néolibéral,
qui comporte une série, je vais faire quelques exemples après, elle est devenue dominante d'abord chez les élites politiques, hein, y compris dans les élites politiques entre guillemets de gauche, enfin pas toutes, mais une partie, par exemple la partie majoritaire du Parti socialiste, mais par l'action politique de ces classes dirigeantes, par l'action médiatique, les bombardements, que, je ne sais pas si quelqu'un a assez bien pour se rappeler d'une émission qui s'appelait « Vive la crise ». Yves Montand, ancien communiste, communiste peut-être à ce moment-là, okay, qui dit que la crise, c'est une énorme occasion pour se remettre, enfin, 83 ou 84, quelque chose comme ça, la crise économique, c'est une énorme occasion pour se remettre en jeu, pour remettre en jeu les positions acquises, pour montrer ce que vous voyez, pour, vous voyez, pour gagner autant que vous le méritez, etc. Ça, c'est vraiment le paradigme néolibéral dans lequel, progressivement, une partie majoritaire de la population française s'est inscrite. Hein. Alors, j'ai dit majoritaire, quand je compare avec l'Italie, je ne vais pas parler de l'Italie, mais en Italie, c'est quasiment la totalité de la population qui est là-dedans, ce qui fait qu'il n'y a plus de gauche en Italie, au sens où nous entendons la gauche. Et quand on est dans le paradigme néolibéral, ça veut dire qu'on a une certaine conception du rôle légitime de l'État et des limites que l'État doit respecter. On a une certaine conception du revenu légitime qui est lié à l'effort, qui est lié au mérite, qui n'est pas lié du tout à des négociations centralisées dans lesquelles tout le monde serait traité de la même façon. Non, c'est le mérite, l'effort qui doit être récompensé. C'est le rôle central dans le bien-être collectif de l'entreprise et du profit de l'entreprise, etc. etc. Une partie des classes populaires, elle a des dons. Donc quand vous retrouvez ça d'une certaine façon dans le clivage ville-campagne, effectivement, ça se superpose en partie parce qu'il y a des raisons que vous évoquez dans le bouquin pour lesquelles les classes populaires en zone rurale ont, je dis vite, hein, vous me corrigez, moins de diplômes, un revenu en général un peu meilleur, c'est ce que tu rappelais, souvent son propriétaire, il y a une part d'indépendants plus importante, et j'ajoute, ils viennent souvent, parce que vous le rappelez, ils viennent souvent d'une histoire politique de droite, et du point de vue de l'accès à l'information, etc., ils sont beaucoup plus dépendants des grandes chaînes télévisées, okay, parce que le niveau de connexion dans les réseaux, etc., est beaucoup plus fort en banlieue qu'en zone rurale. Et donc, peut-être, ils sont aussi plus perméables au paradigme dominant. Et donc, si vous voulez, pour moi, le clivage fondamental, c'est ceux qui sont en rupture avec ces paradigmes et ceux qui sont dedans. Et ça peut se retrouver dans quelque chose comme banlieue et zone rurale. Hein. Mais ce n'est pas la question géographique qui est fondamentale. Et donc, alors, la question, c'est une fois, j'ai dit un mot sur l'extrême droite, après un mot sur la gauche. Une fois qu'on est dans les paradigmes néolibérales et qu'on souffre des politiques néolibérales, On souffre des politiques de libéralisation, de la réduction des services publics, de la réduction du pouvoir d'achat pour les salariés, etc. On souffre de ça, mais on regarde le monde avec les yeux du paradigme néolibéral. Bon. Donc, on demande de la protection. Mais si la protection qui est offerte vient d'une gauche qui est en rupture avec les paradigmes, c'est une proposition irréaliste, hors du monde. De toute façon, ce qu'ils proposent, bon, et donc c'est pas ce type de protection-là qui est acceptable. Hein. Oui, je voulais dire un mot aussi. Comment on sait que ces classes populaires rurales, alors il faut regarder un peu d'enquête qualitative, aller regarder les opinions sur les syndicats, aller regarder les opinions sur les fonctionnaires, aller regarder les opinions sur les systèmes d'allocation. Hein. Autant de choses qui, dans le monde néolibéral, ne devraient pas exister. Ou, idéalement, ça ne devrait pas exister. Les opinions des classes populaires qui vivent en zone rurale sont très fortement négatives sur tout ça. Et quand Roussel dit « Moi, je suis pour la France du travail, pas pour la France des allocs », je ne sais pas, il essaie de parler comme ces classes populaires-là, pour de vrai. Sauf que pour parler comme ces classes populaires-là, il faut se remettre à l'intérieur du paradigme néolibéral. Il faut retourner dans ce monde-là. OK ? Et donc, quand on est dans ces mondes-là, et qu'on veut être protégé contre les conséquences
des politiques néolibérales, il faut des propositions compatibles avec les paradigmes. Et l'extrême droite, c'est la grande spécialiste de ça. Je vais vous protéger parce que je vous protège contre l'immigré. Je vous protège contre les musulmans. Je protège votre identité profonde, etc. Je protège les racines judéo-chrétiennes, etc., etc., etc. Tout ce qu'est fait l'extrême droite. C'est pour ça que quand vous dites maintenant, enfin, les premiers Le Pen, tu l'as rappelé, les votes étaient plus forts dans les zones où il y avait des immigrés. Marine Le Pen est plus forte où il n'y en a pas d'immigrés. Oui, mais ça ne veut pas dire que l'immigration ne joue pas. Alors, ça ne veut pas dire non plus que les gens qui votent extrême droite les font parce qu'ils sont racistes. Okay? Mais c'est la protection contre des ennemis imaginaires. Et d'autant plus facile à proposer comme protection que l'ennemi est imaginaire, qu'il n'est pas là. Qu'il n'est pas là. Et donc ça c'est pour cette, je pense, c'est la réponse au paradoxe des classes populaires qui votent pour Le Pen, alors que si on regarde objectivement ce qu'elles proposent Le Pen pour les protéger, il y a des vides. Il y a des vides. Ah, et pourtant, il y a un vote de classe populaire pour Le Pen. Et pour le bloc de gauche, j'ai fini. Alors, les nouveaux blocs de gauche qui émergent avec les trois candidatures de Mélenchon, en gros, ils s'agrègent. Alors, vous aimez l'appeler bloc populaire, allez-y. En réalité, c'est de nouveau un bloc interclasse. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un retour d'un vote à gauche d'ouvriers, qui avait disparu dans les années 2000, qui était devenu très faible dans les années 1990, ça revient. Mais il y a un vote des cadres. Il y a un vote des classes moyennes. Okay? Moi, j'avais noté sur la présidentielle... Alors, je vous donne les chiffres. Ça, c'est le sondage jour du vote IFOP. Je les ai notés. Jour du vote IFOP... 2022, 27% des ouvriers ont voté Mélenchon. Hein, c'est-à-dire bien au-delà de la moyenne qui est vendée. Et de toute façon, 27, ça mettait Mélenchon comme le deuxième candidat ouvrier derrière Le Pen qui, de mémoire, doit être à 35 ou 36. Hein, donc, qui est au-delà. Mais 27% d'ouvriers, ce n'est pas un score négligeable, surtout quand on sait que la gauche était tombée à 10 et à moins de 10. Hein. 27% d'ouvriers, mais 21% des cadres supérieurs. Hein. Qui est juste un peu plus bas que la moyenne nationale qui est vendue, qui est 21, quelque chose. Donc c'est un bloc interclasse qui s'agrège sur une hypothèse de rupture avec le néolibéralisme. Et pourquoi c'est un bloc interclasse? Parce qu'il y a des classes populaires qui sont dans la souffrance et qui, contrairement à ceux qui votent extrême droite, veulent sortir du paradigme néolibéral, sont dans une autre approche, dans une autre vision. Je dois couper. Je coupe. Mais voilà, cette souffrance engendrée par le néolibéralisme touche aussi des classes moyennes, des classes supérieures, des cadres qui n'en peuvent plus des modes de management du néolibéralisme ou qui sont conscients simplement que le néolibéralisme, du point de vue du changement climatique, etc., amène tout le monde dans les murs. Donc c'est un bloc interclasse qui s'agrège, ça a été dit, je pense, par Mathilde, autour d'une hypothèse de rupture. D'où la difficulté, je pense qu'il faut élargir, dans les bouquins vous êtes assez optimiste, moi je le suis moins, mais je pense que vous avez raison, il faut regarder les classes populaires qui votent extrême droite, c'est pas inaccessible, mais vous voyez la difficulté, si vous prenez mon analyse, ils votent extrême droite parce qu'ils sont dedans, ils sont dans le paradigme néolibéral, alors que le bloc de gauche s'agrège autour d'une hypothèse de rupture avec le paradigme néolibéral. Donc, de mon point de vue, il s'agit de... Si on veut les récupérer, il faut les sortir de là, ce qui est compliqué, qui passe, je ne dis plus rien, notamment par une présence sur les territoires de la gauche, qui, par l'histoire de la gauche des 15 dernières années, est très faible. Quoi. On ne sort pas des gens quand on ne contrôle pas les médias et qu'on est absent du terrain. On ne va pas... Alors, le temps file, du coup, il va falloir qu'on aille plus vite sur les réponses. Mathilde, toi, comment tu vois la méthode justement portée par la France insoumise dans ces campagnes successives, notamment en ayant construit et donné une centralité à un programme de rupture? On en parlait. Alors, déjà, merci pour les éléments qui ont été donnés, parce que ça nous apporte plein de choses et ça va nous aider
dans la suite de ce qu'on fait. D'abord, pour dire que comme responsable politique, notre première responsabilité, c'est de créer des transversales dans le peuple. Nous, si on dit qu'on veut fédérer le peuple, que le peuple se recrée politiquement, c'est d'abord parce qu'on n'a pas envie qu'on refasse à chaque endroit des divisions. Tu disais tout à l'heure, il faut retrouver ce qui leur est commun, qu'il y a plus de choses en commun que ce qui les divise en parlant des ouvriers et employés des zones rurales et des urbains. C'est ce qu'on essaye de faire, et je le dis parce qu'il y a des constructions qui sont faites. Il y a un lobbyiste de la chasse qui disait oui, on a super bien réussi à expliquer que les ruralités, que je dis les ruralités parce qu'il y a des réalités très différentes, mais que dans la ruralité, on était fortement acquis à la question de la chasse. Bon, en fait, quand vous regardez les sondages, 2% des ruraux chassent. Et quand vous regardez, vous avez 74 des ruraux, des habitants en zone rurale, qui sont d'accord avec le fait qu'on interdise la chasse le dimanche. Et si vous allez plus loin, vous regardez même que ce sont les habitants des zones rurales qui se sentent en majorité, même plus que des urbains, on le comprend, ils le font plus régulièrement, qui vont se sentir en insécurité lorsqu'ils vont se promener dans la nature au moment où les zones de chasse sont ouvertes. Donc je le dis parce qu'il y a des constructions qui sont faites. Et quand vous regardez par exemple parmi les trois départements, les trois territoires qui sont le plus touchés par la question des déserts médicaux, si vous les prenez, vous avez le département de l'Aisne, la Guyane, la Seine-Saint-Denis. Bon, donc quand on parle de la question de santé, on fait des transversales comme ça, et c'est ce que nous, on a toujours essayé de faire avec le programme pour repasser sur la question du programme, parce que le programme, bon, nous, on a été voir, on a été auditionner tous les acteurs de la société, des chercheurs, des associatifs, des syndicalistes, des collectifs, et on a même pompé tellement de choses qu'à la fin, Mélenchon et notre programme avaient les meilleurs votes de toutes les associations, mais c'est normal parce que, bien souvent, on a repris leurs propositions parce qu'elles étaient pensées, parce qu'elles étaient travaillées, parce qu'elles correspondaient aussi à des réseaux qui avaient pensé les choses, et donc on a repris aussi à notre compte. Alors la première chose, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on a construit le programme. La deuxième chose, c'est, je disais, programme de rupture, qu'il faut crédibiliser aussi. Bon, ce qu'on a fait à l'Assemblée, puis maintenant à 75, c'est-à-dire multiplier par 5 quand même notre nombre de députés, et ce qu'on fait dans le programme de la NUPES aussi, c'est aussi crédibiliser ce programme. On n'avait pas seulement un programme L'Avenir en commun construit avec les acteurs de la société, on avait derrière une quarantaine de livrets programmatiques, on avait 13 plans gouvernementaux qui expliquaient de A à Z comment est-ce qu'on faisait les choses, on avait chiffré le programme, chaque année on fait un contre-budget, et à chaque fois qu'il y a un texte de loi, on dit ce que nous, on ferait au gouvernement. Ça, ça permet aussi de construire une alternative. Et moi, j'aimerais insister sur quelque chose, parce que j'ai vu qu'on essayait de tirer de votre livre le fait qu'il ne fallait plus que parler social. Et ce n'est pas du tout ce que j'ai entendu à l'instant. Mais moi, je veux réinsister parce que c'est des débats qui existent, qui existent depuis des années et des années, qui reviennent notamment avec Fabien Roussel, mais qui sont portés depuis des années sur cette question. Moi, vraiment, je veux qu'on fasse attention à ça, parce que la lutte antiraciste est une lutte sociale. Parce que quand on empêche des gens d'accéder à l'emploi, d'accéder au logement, et je pourrais en citer beaucoup de choses, la lutte antiraciste est une lutte sociale. De même que la lutte et les revendications féministes sont une lutte sociale. On parlait tout à l'heure des employés qui sont souvent des femmes, qui subissent les temps précaires subis, qui sont moins bien payées, qui sont aussi dans les emplois les moins bien rémunérés. Et je peux même aller un peu plus loin pour vous expliquer pourquoi la grossophobie et la lutte contre la LGBTQI+ phobie est aussi une lutte sociale, parce que en ce moment, on parle beaucoup des suicides des adolescents du fait du harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, les deux causes principales, c'est justement la grossophobie et la stigmatisation qui est faite sur les LGBT. Et donc là aussi, c'est une lutte sociale, parce que c'est un fléau qui touche des millions d'enfants dans ce pays. Donc il faut qu'on trouve comment on fait des transversales. Et nous, on a choisi de faire des transversales, je vais juste terminer par ça, par deux choses. Un premier, pour montrer qu'on peut convaincre des gens. Nous, ce qu'on voit comme observation simple, ça va vous paraître très simple par rapport à l'ensemble des données que vous avez compilées, mais c'est que dans les endroits où les militants vont, où on fait des choses, eh bien on gagne. Et notamment, on a gagné la députée de la Creuse. Il n'y a qu'une députée en Creuse, on l'a gagnée. On a gagné en Ille-et-Vilaine avec Mathilde Ligné, qui est une ouvrière agricole. On a gagné deux députés, Damien Maudet et Manon Meunier, dans la Haute-Vienne, etc. Et que quand, justement, tu parlais d'hégémonie culturelle, quand il y a une intermédiation militante qui est là,
qui va aller discuter, parler avec les gens et où ce n'est pas seulement la télévision ou des choses qui nous sont structurellement défavorables, eh bien justement, on arrive à gagner et c'est là où on doit continuer de progresser par le maillage qu'on est en train de faire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que nous, on a pris des grands thèmes. Par exemple, on a pris la question de l'eau. Quand vous prenez la question de l'eau, vous parlez évidemment aux Outre-mer, alors l'endroit où l'eau est le plus bafoué, évidemment, à Mayotte, mais aussi en Guadeloupe, où les enfants ratent jusqu'à un mois et demi de cours par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école. Vous parlez aux communes dans les tout petits villages qu'on va ravitailler maintenant chaque été parce qu'ils n'ont plus d'eau avec des camions-citernes. Vous parlez aux gens dans les grandes métropoles qui, bien souvent, sont prisonniers des délégations de services au privé avec Veolia, Suez et autres et qui vont payer leur plus cher. Vous parlez à l'ensemble du pays parce que rénover les réseaux d'eau, c'est l'équivalent de la consommation annuelle de 18,5 millions d'habitants qui part en fuite chaque année dans notre pays. Et donc, ça créerait de l'emploi, de fait de ne pas gaspiller une ressource, etc. Et moi, il y a une lutte qui m'a beaucoup marquée, c'est celle à Volvic. À Volvic, ils se battent contre Danone, qui est en train d'assécher la nappe phréatique. Ben, à Volvic, dans la lutte, vous avez Édouard de Filigonde, châtelain d'un château du XVIIe siècle, qui était entrepreneur avant à Hong Kong et qui vote Jean-Luc Mélenchon, et donc qui est dans la lutte contre Danone parce que Danone a tellement pompé dans la nappe phréatique que ça a asséché la pisciculture qui existe depuis des centaines d'années là-bas. Vous avez ensuite les propriétaires qui sont sur les hauteurs de Volvic, qui sont dans la lutte parce qu'eux, on a suspendu tout leur permis de construire parce que Danone pompe tellement qu'on sait qu'ils n'auront pas assez d'eau pour eux. Donc vous avez les propriétaires. Vous avez évidemment tous les riverains parce qu'il y avait 10 000 enfants qui passaient dans cette pisciculture. Donc c'était un lieu de nature qui était très apprécié autour. Vous avez les gardes-pêche qui se rendent compte de ce que ça crée sur les écosystèmes et notamment sur les poissons, etc. Le fait que Danone soit en train d'assécher. Donc contre une multinationale, sur une question de l'eau, vous arrivez à faire du commun sur des choses qui... sont inimaginables sur beaucoup des points et qui pourtant arrivent à créer des luttes communes. Et je pense que ça, c'est notre rôle d'essayer de fédérer autour de grandes causes communes. Et c'est en tout cas une des stratégies qu'on continue de porter. Alors, est-ce qu'on m'entend ? On m'a coupé le micro pour... Non, c'est bon. C'est l'heure du troisième graphique. C'est bon ? Ouais. Donc la convergence des bourgs et des banlieues pauvres, on a commencé un peu à en parler tout à l'heure. Alors dans ce graphique, chaque division de bas en haut correspond au niveau de richesse des habitants. Tout en haut, ils sont bien au-dessus de la moyenne nationale, évidemment, et très riches, et en bas, bien en dessous, et pauvres. Alors au cours du temps, entre 1860 et 2022, on peut voir comment évolue le niveau de vie des habitants de chaque type d'espace du pays, donc métropole, banlieue, bourg et village. Pour chacun d'entre eux, on fait la différence entre la moitié la plus riche et la moitié la plus pauvre. La moitié la plus riche des métropoles est en jaune plein et la moitié la plus pauvre en jaune pointillé. Pareil pour le rouge, la moitié la plus riche des banlieues est en rouge plein et la moitié des banlieues les plus pauvres en rouge pointillé, et ainsi de suite. On peut donc voir l'évolution de la richesse de chacun de ces espaces urbains ou ruraux au cours de presque deux siècles. Et lorsque les courbes sont très éloignées entre elles, les niveaux de vie le sont aussi. Et lorsqu'elles convergent, les niveaux de vie sont proches. Alors, Thomas Piketty et Julia Cagé, dans votre livre, vous démontrez notamment par ce graphique que jamais les espaces populaires, donc métropole populaire, banlieue populaire, bourg populaire et village populaire, n'ont autant convergé du point de vue de leurs conditions socio-économiques. Dans ce cas, pourquoi parler de classe géosociale et mettre autant en avant la dimension géographique pour analyser les clivages de vote ? Tu veux commencer pour une fois, du coup ? 5 minutes chacun. 2 minutes et demie chacun. Non, enfin, comme... Si tu veux. Non, mais j'y vais, sinon. Mais ça... bon, okay. Mais après, tu diras que t'as plus rien à dire. Mais c'est pas grave. Je comprends. Non, mais ok, 5 minutes. Pourquoi on montre ce graphique et pourquoi c'est important ? À cause de ce que disait Jean-Luc Mélenchon en introduction, la prédominance dans le discours aujourd'hui des thèmes d'un Jérôme Fourquet ou d'un Christophe Guillouis. Qu'est-ce que nous disent Fourquet ou Guillouis ? Ils disent il y a une France périphérique abandonnée et une France des métropoles. Voilà, voilà ce qu'ils disent. Ils coupent la France en deux. Les métropoles, donc il y a en gros 25 grosses métropoles qui couvrent 45% de la population chez Guillouis, c'est un monde très très binaire, et il y a la périphérie. Alors qu'est-ce qu'ils nous écrivent ensuite ? Guillouis dit, bon, alors la France des bourgs, elle est complètement abandonnée, alors que la France des métropoles, par contre, on voit quoi ? Alors il trouve ça très très mal. Alors déjà, on le voit pas, mais en fait, je vois pas en quoi ça serait très très mal, mais il dit, on voit le développement d'une petite bourgeoisie issue de l'immigration. On la cherche encore, mais surtout, ça devrait plutôt être une bonne nouvelle.
Alors, ça l'énerve beaucoup, Guy Dhuy, parce que justement, il a l'impression que finalement, ceux qui bénéficient de la croissance économique aujourd'hui, du développement des politiques de l'État, ça serait les métropoles et les banlieues racisées. C'est pour ça qu'il ne les aime pas beaucoup. Alors que la France des bourgs, qui serait uniformément blanche dans son approche, elle serait la grande perdante et la grande abandonnée. Alors pourquoi c'est faux? Parce que déjà, la division, elle ne fait aucun sens. Tout à l'heure, Mathilde, tu rappelais, en termes de déserts médicaux, l'Aisne et la Seine-Saint-Denis. Je vais donner un autre exemple. Guy Dhuy va dire, ou Fourquet, en fait, tous les commentateurs vont dire, prenez la Seine-Saint-Denis, donc ça serait vraiment l'exemple des métropoles et des banlieues qui bénéficieraient de l'ensemble des politiques publiques au détriment de toute la France des bourgs. Ils vont dire, Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, 7e rang, c'est vrai, en termes de PIB par habitant. 96 départements, 7e rang en département. Très bien. Revenu par habitant en Seine-Saint-Denis, 94e rang. Voilà, il y a 96 départements, ils ne sont pas bien classés en France métropolitaine. Voilà, et ça, en fait, il passe complètement à côté de ça. Parce que si vous prenez le PIB, vous prenez le siège des grandes entreprises. Si vous prenez le revenu, bah vous en fait considérez la réalité des habitants de Seine-Saint-Denis qui n'arrivent pas du tout à avoir des emplois bien rémunérés, et en partie d'ailleurs, pas parce qu'il y a l'émergence d'une immigration, enfin d'une petite bourgeoisie issue de l'immigration, mais parce qu'on sait très bien qu'il y a encore aujourd'hui des discriminations à l'embauche. Donc en fait, cette coupure en deux du territoire, non seulement elle est fausse d'un point de vue descriptif, mais en plus elle conduit à des conclusions politiques qui sont, pour le coup, anti-immigrés et qui conflictualise finalement le débat politique en France. Nous, ce qu'on montre ici, c'est assez simple, mais il faut vraiment insister là-dessus, et ça rejoint finalement la convergence, par exemple, entre l'Aisne et la Seine-Saint-Denis. C'est que si vous regardez aujourd'hui, pas les métropoles versus les bourgs, mais si vous regardez les villages pauvres, les villages riches, les bourgs pauvres, les bourgs riches. Donc en fait, vous doublez la dimension socio-économique de la dimension spatiale. Les banlieues pauvres, les banlieues riches. Les métropoles pauvres, les métropoles riches. Par exemple, en fonction du revenu, vous avez des villages pauvres et des bourgs pauvres qui ressemblent beaucoup plus aux banlieues pauvres qu'ils ne ressemblent aux villages riches ou aux bourgs riches. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment central, et c'est ça qui change la manière d'approcher le débat public, et c'est pour ça qu'on insiste fondamentalement sur cette dimension. C'est vrai en termes de revenus, c'est vrai aussi en termes, par exemple, d'accès aux services publics, parce que si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas des déserts médicaux comme on en a aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Et c'est pour ça que, du coup, combiné au graphique précédent sur l'importance des facteurs socio-économiques dans le vote et pas des facteurs identitaires, c'est pour ça qu'en fait, on a des préoccupations communes entre les habitants des villages pauvres, des bourgs pauvres, des banlieues pauvres, des métropoles pauvres. Parce qu'ils sont confrontés au même problème, fondamentalement. Faible revenu, faible capital immobilier, peu d'accès aux services publics, etc. etc. Alors, ils n'ont pas entièrement les mêmes préoccupations, parce que ce n'est pas la même insertion dans le territoire, parce que ce n'est pas la même histoire, pour les raisons que rappelait Stéphano, parce que ce n'est pas non plus le même rapport à l'ouverture au commerce international, parce que les opportunités ne sont pas les mêmes. C'est vrai qu'en termes d'accès à l'université, en Seine-Saint-Denis, c'est un peu plus simple, pour le coup, que si vous êtes dans la Creuse. Donc, vous allez avoir une ascension sociale un peu plus par le diplôme et un peu moins par l'accès à la propriété. Donc, il y a ces divergences-là qui fait qu'il y a un travail programmatique à faire en termes de reconquête. Mais en termes d'intérêts socio-économiques communs, on voit vraiment cette convergence. Et c'est sur cette convergence-là, en fait, qu'on pense, nous, qu'il y a des opportunités politiques qu'il faut fondamentalement aller saisir. J'ai fait 5 minutes, hein, pas plus. Merci beaucoup. Dernière question à Mathilde et après on conclut, on passe à l'autre table ronde, promis. La France insoumise s'est souvent donné comme objectif l'idée de fédérer le peuple, qu'il soit des quartiers populaires, des villes ou de la ruralité, justement. Qu'est-ce que cela implique concrètement pour toi, notamment d'un point de vue programmatique ? Alors sur la fédération du peuple, ce que je disais tout à l'heure, donc c'est comment est-ce qu'on fait du commun et des transversales ? Je disais, on l'a fait avec l'eau. Là, il y a 2 semaines, on a présenté un plan d'urgence sur la question de la petite enfance, notamment parce qu'il y a un fait que le gouvernement refuse absolument de voir, qui est que le taux de mortalité infantile, qui est quand même un des indicateurs phares de l'Organisation mondiale de la santé sur le niveau de bien-être dans un pays, le taux de mortalité infantile est en train de réaugmenter en France, et notamment depuis 2015, est passé au-dessus de la moyenne européenne. À partir de ça, à partir du constat qu'un enfant sur 4 en situation de handicap
handicap dans notre pays est déscolarisé. À partir du constat, bon, on en a fait tout un tas comme ça, on a présenté des mesures d'urgence, notamment aussi pour les enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance. Ça aussi, l'enfance, c'est une question transversale. Et quand je disais ce que nous on fait, c'est d'aller voir les gens, quand on a commencé en 2016-2017, on avait monté à quelques-uns les caravanes d'égalité des droits. Une des choses qui était... Alors, on avait commencé par les quartiers populaires cet été. Ils ont été dans des petits bourgs, justement, et notamment à des endroits où le vote RN est très élevé, de même que la France Insoumise est en train d'acquérir des locaux, en commençant d'abord par des départements où le RN est haut et où il n'y a pas de députés insoumis, même si je disais que les députés insoumis ont augmenté aussi dans la ruralité. Qu'est-ce qu'on a vu dans les caravanes qui, moi, m'avaient beaucoup frappé? On est en 2016. On va dans les quartiers populaires, à ce moment-là, faire à la fois de l'inscription sur les listes électorales et de l'accès aux droits. Par exemple, dans un quartier du Nord, on va dans le quartier, et là, dans les panneaux d'affichage, il n'y avait pas eu un seul changement d'affiche politique. Ça veut dire que pas une seule personne était venue. Je ne parle pas parler aux habitants, mais juste coller une affiche. Depuis 2007, on était en 2016. Ça veut dire que depuis 10 ans, il n'y avait pas un seul militant politique qui avait mis les pieds dans ce quartier. Nous, quand on fait une caravane, on fait du porte-à-porte, on met un barnum en bas. Donc, ce que je dis par là, c'est que tout comme en 2022, en 2017 aussi, mais en 2022 de manière plus spectaculaire, on a réussi à faire revenir au vote, à faire revenir les dégoûtés, à faire revenir au vote beaucoup des gens des quartiers populaires, beaucoup des gens des Outre-mer aussi, sur lesquels on a fait un énorme boulot sur la question de l'égalité des droits, notamment sur la question du droit à l'eau. Eh bien, c'est ce même mouvement qu'il faut essayer de continuer. Et je le dis d'autant plus qu'à la France Insoumise, on essaye toujours, quand je dis qu'on essaye de faire des transversales, même avec des choses qui sont compliquées. Moi, j'ai mené une votation sur la question de la sortie du nucléaire. Bon, pour aller vers le 100% énergie renouvelable. Je me suis retrouvée un jour devant une centrale nucléaire pour aller soutenir des sous-traitants du nucléaire qui étaient en grève. Et lorsque j'ai été les soutenir, alors au départ, il a fallu expliquer, hein, parce que quelqu'un d'anti-nucléaire qui vient soutenir des sous-traitants nucléaires, il a fallu expliquer un peu. Et moi, je leur dis, oui, moi, je suis anti-nucléaire, je veux qu'on planifie la sortie du nucléaire, mais vos conditions de travail, ça m'intéresse. Comme ça devrait intéresser tout le monde dans le pays, parce que c'est un problème d'abord pour eux-mêmes, puisqu'ils reçoivent 80% de la dose radioactive, mais c'est un problème pour tous les gens qui vivent autour des réacteurs aussi. Et il y en avait un, notamment, qui avait 59 ans, 40 ans dans le nucléaire, 1 600 € par mois, parce qu'il a zéro année d'ancienneté, après 40 ans dans le nucléaire, hein, parce que, bon, on connaît, hein, la sous-traitance où il change de boîte à chaque fois. Et lui, je sais qu'il votait Rassemblement National. Ben, il a dit à son collègue le lendemain, c'est lui qui me l'a raconté au téléphone, « Ah, ben, je ne savais pas que la France Insoumise allait s'intéresser à nous. Je vais peut-être revoir mon vote pour les prochaines fois. » Je dis ça. Alors, c'est une personne. OK, c'est pas... Mais je le dis aussi parce qu'il y a des dynamiques aussi qui se créent. Et ces dynamiques, elles sont très importantes pour continuer la progression qu'on fait en plus de la bataille sur l'hégémonie culturelle. Et il y a un point, par exemple, qui nous donne raison. La question de la police. Parce que la question de la police, quand on regarde des graphiques comme ça, on pourrait se dire, bon, on va essayer de ne pas trop en parler, il vaut mieux parler des facteurs sociaux, même si c'est aussi social, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais sur la police, on a raison d'avoir tenu. Parce qu'au départ, c'est les habitants des quartiers populaires qui subissent de manière extrêmement forte la question du contrôle aux faciès, des morts. Donc, c'est eux qui subissent d'abord... en termes de laboratoire, une répression policière dans ces quartiers populaires. Qu'est-ce qui se passe après? Après, il y a les gilets jaunes. Et avec les gilets jaunes, la conscience de beaucoup de gens s'accroît sur le fait que oui, on est en train d'instrumentaliser la police pour l'utiliser pour réprimer le peuple. De même que vous avez ensuite tout un tas de manifestations, et notamment le plus grand mouvement social qu'on a eu cette année, avec le mouvement retraite, où là aussi, la conscience s'accroît sur le fait qu'on utilise la police pour réprimer et qu'il y a donc un problème. Puis l'Organisation des Nations Unies dit qu'il y a un problème systémique de racisme dans la police après le meurtre de Naël. Pourquoi je vous dis qu'on a eu raison de tenir dessus? Parce que, par exemple, le 23 septembre, samedi, où j'espère que vous serez toutes et tous, on a 135 organisations qui appellent sur des mots d'ordre qui sont clairs. Les mots d'ordre, c'est abrogation de la loi permis de tuer de Cazeneuve. Les mots d'ordre, c'est réforme de l'IGPN. Les mots d'ordre, etc., etc. Et 135 organisations, c'est parce qu'on a... On a gagné de la bataille culturelle dessus, parce qu'on a tenu sur cette question. Et donc, à des moments, il faut aussi assumer de tenir des positions qui peuvent être
quand on regarde des sondages impopulaires, mais qui nous permettent d'avoir des dynamiques pour gagner les consciences. Et je pense que, par exemple, sur la police, on a beaucoup avancé depuis des années qu'on travaille à proposer des solutions pour qu'il y ait véritablement une police républicaine dans ce pays. Merci beaucoup. Ça marche ? Ça marche pas ? Allô ? C'est bon ? Allô ? Ouais. Celui-là, il fonctionne ? Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être si nombreuses et si nombreux, puisqu'on occupe en tout 2 amphithéâtres et qu'on est plus de 600 pour cette conférence. Je vais juste faire un rappel sur l'importance de faire des réponses courtes pour qu'on déborde pas trop. On va donc poursuivre cette soirée de dialogue sur la géographie des votes et la stratégie de conquête électorale avec bien sûr Julia Cagé et Thomas Piketty que je ne présente plus. Et pour cette seconde partie, nous accueillons Manuel Bompard, député de Marseille et coordinateur de la France Insoumise. Ainsi que Marion Carrel, sociologue spécialisée sur les quartiers populaires et les discriminations. Donc cette seconde table ronde traitera du quatrième bloc, c'est-à-dire les abstentionnistes, pour interroger son rôle dans les prochaines victoires électorales. Et donc on commence avec ce premier graphique qui montre l'écart de participation entre les communes les plus riches et les communes les plus pauvres au cours du temps, donc de 1848 à 2022. La courbe bleue prend l'écart entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres, c'est-à-dire l'écart de richesse le plus radical. La courbe jaune entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. La courbe rouge entre les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres. Et enfin, la courbe verte entre les 50% les plus riches et les 50% les plus pauvres, soit l'écart de richesse le moins fort. Lorsque les courbes sont au-dessus de la ligne noire horizontale, c'est 1, c'est que la proportion des communes les plus riches vote davantage que la proportion des communes les plus pauvres. Donc plus une courbe est éloignée au-dessus de la ligne noire, plus l'écart de participation entre les communes riches et les communes pauvres est important. Autrement dit, moins les communes pauvres votent par rapport aux communes riches. Julia Cagé et Thomas Piketty, à la vue de ce graphique, quelle conclusion est-ce que vous tirez de l'abstention et de ses racines sociales ? Bon, puisque tu me laisses le micro. Alors, disons que ça, c'est vraiment un résultat. Nous, on ne savait pas qu'on allait trouver ça. C'est-à-dire que ce qui est très frappant, je trouve, hein, sur ce graphique, c'est que l'écart qu'on observe à la fin de la période, là, sur les dernières élections 2017 et 2022, donc vous voyez la ligne bleue, quand vous êtes à peu près à 1,3 sur la ligne bleue, ça veut donc dire que les 5% des communes les plus riches votent 30% de plus en moyenne que les 5% des communes les plus pauvres. C'est le plus gros écart qu'on ait jamais vu depuis 1848. Donc là, il y a quelque chose quand même qui est très frappant, parce qu'il y a un discours, on pourrait dire, voilà, ça a toujours été comme ça, les communes riches votent plus que les communes pauvres, on n'y peut rien, c'est la loi de la vie. Pas du tout, c'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de périodes, alors regardez dans les années 70, 80, 90, c'est le contraire. Les communes pauvres, elles votent plus que les communes riches. Donc en fait, ça dépend des stratégies de mobilisation politique. Et sans doute, l'Union de la gauche, ça joue un rôle parmi d'autres facteurs. Et historiquement, le Parti communiste a joué un rôle de mobilisation au sein des classes populaires qui a évidemment été considérable. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre comme donné. C'est-à-dire que ça varie dans le temps.
Et c'est vrai que le phénomène vraiment frappant des dernières décennies, c'est qu'en même temps qu'on a une chute de la participation, parce que je rappelle quand même deux minutes l'évolution de la participation, on est tombé donc sur les dernières législatives, enfin vous le savez tous, mais en dessous de 50% de participation. Alors sur la présidentielle, on se maintient à peu près, même si au deuxième tour, il y a quand même une baisse assez significative, mais sur la législative, on n'avait jamais vu un niveau aussi faible de participation depuis la Révolution française. Alors, sous la Révolution française, dans les années 1790, on a seulement 30-40% de participation, mais à l'époque, il faut marcher jusqu'au chef-lieu de canton. On n'a même pas le droit de voter à la commune, ça, il faut attendre la Troisième République pour voter à la commune, enfin, un peu en 1848-1849, c'est beaucoup en discussion, mais ça s'impose vraiment après que sous la Troisième République. Sous la Révolution française, il faut aller au chef-lieu de canton, qui veut dire, ça peut être une demi-journée de marche. Bon, avoir 30-40% de participation à ce moment-là, c'est plutôt exceptionnel. Et ensuite, la participation en 1848 va monter aux législatives à 70-80%, elle va se maintenir à 70-80% jusqu'aux années 80-90, puis après on a un effondrement et là on est en dessous de 50. Et quand on dit en dessous de 50, c'est par rapport aux électeurs inscrits. On a un taux d'inscription qui n'est pas de 100%, on a à peu près entre 10 et 15% des électeurs qui ont le droit de vote qui ne sont pas inscrits, il y a aussi des électeurs qui sont mal inscrits, qui ne sont pas dans la commune où ils résident, notamment des électeurs jeunes. Donc en fait, le vrai taux de participation par rapport à ceux qui ont le droit de vote, il n'est même pas de 50, il est à peine à 40, entre 40 et 45. On est tombé en dessous du niveau de participation électorale aux États-Unis. Quand même. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire pendant longtemps, on s'est quand même représenté nous-mêmes en France comme un pays où la mobilisation électorale était plus forte qu'aux États-Unis, où la capacité des partis, la volonté des partis politiques à mobiliser les classes populaires a été historiquement assez faible. Et là, on est aux élections de 2020, aux présidentielles qui sont aussi le même jour que les élections législatives aux États-Unis, donc il y a à peu près la même participation, ça peut être une idée d'ailleurs, les États-Unis sont à 20 points au-dessus de la participation qu'on a eue, nous, aux législatives, cette fois-ci. Donc on a une chute absolument inédite de la participation, et en même temps qu'on a cette chute, on a un écart de participation entre communes riches et communes pauvres qui monte à des niveaux gigantesques. Donc on peut en tirer deux conclusions, disons, une optimiste qui était celle que disait Jean-Luc tout à l'heure, qui est si on arrive à faire remonter la participation dans les communes pauvres, vu les scores beaucoup plus élevés obtenus par le bloc de gauche au sein des communes pauvres, il y a clairement une réserve là considérable et qui ferait monter le bloc de gauche très élevé. Donc ça c'est vrai et ça doit être un élément de stratégie. La vision pessimiste, mais qu'il faut quand même pas oublier, c'est que pour l'instant, en 2017 et 2022, malgré l'arrivée de la France insoumise dans le paysage politique à gauche, la participation elle est pas vraiment remontée à des niveaux records. Elle a plutôt continué sa chute des années 2000-2010. Et je dis ça, voilà, je suis pas, personne ne peut en être content ici, mais ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas encore complètement... alors il y a cette présidentialisation croissante du régime, cette déconnexion complète entre présidentielle et législative, et peut-être qu'un scrutin le même jour pourrait permettre d'y remédier. On peut y réfléchir, mais en tout cas, pour l'instant, on n'y est pas arrivé, disons, collectivement, et ça reste vraiment un des enjeux centraux pour la suite. Manuel Bompard, la stratégie du quatrième bloc, c'est la volonté d'aller chercher justement les voix manquantes en priorité dans l'abstention pour construire une majorité populaire. Est-ce que c'est une stratégie réaliste ? Merci pour la question. Vous m'entendez ? Ouais, c'est bon, maintenant vous m'entendez. Là, vous m'entendez, je crois. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Pour aller à l'essentiel du propos, je passe rapidement, mais... Je veux dire mes remerciements pour les camarades qui ont organisé cette soirée et pour votre présence et pour votre travail. Dans cette partie-là, l'idée, c'est de se concentrer sur effectivement ce qu'on a appelé le quatrième bloc. Vous écrivez dans le livre le fait que la tripartition qu'on observe est un état précaire, déséquilibré, instable, et qu'il y a plusieurs scénarios de retour à une bipartition. Il y en a un qui ne nous intéresse pas beaucoup ici, qui est celui d'un affrontement entre le bloc central et le bloc d'extrême droite, pour aller vite, et la deuxième qui nous intéresse le plus, et que vous jugez plus crédible, notamment en raison de ce que vous avez expliqué dans la première partie, c'est-à-dire le fait que le bloc d'extrême droite, il a des compositions sociales qui sont opposées l'une à l'autre entre la composante Rassemblement National et la composante LR et Zemmour.
en raison de cette fragilité, vous dites que le deuxième scénario, c'est-à-dire celui d'une recomposition, d'une convergence d'une partie du bloc central et du bloc de droite contre le bloc de gauche, c'est sans doute le scénario le plus probable si on travaille bien. Donc ça, ça nous intéresse parce que c'est effectivement notre objectif. Et vous dites que pour ça, il y a deux sphères d'expansion possibles. Il y a ce qu'on a discuté dans la première partie, c'est-à-dire la question de reconquérir un électorat populaire plus rural. Et vous faites attention, je ne reviens pas sur les échanges de la première partie en disant que c'est par la question sociale, par la convergence et par les propositions sociales et économiques qu'on peut y arriver. Mais vous dites aussi dans le livre que la deuxième partie, c'est-à-dire le fait de conquérir davantage d'électeurs dans les zones urbaines où nous avons déjà un vote important mais qui sont frappés par une abstention très forte et une sphère d'expansion déterminante. Donc c'est ça que nous, nous appelons la stratégie du quatrième bloc, pour être très clair. Alors souvent, quand on dit ça, on nous oppose des arguments. On nous dit, mais il n'y a aucune raison que les abstentionnistes votent différemment de la moyenne nationale. Bon. Et là, ce que je trouve déterminant dans le travail que vous faites, c'est que vous tordez le cou à cette idée, parce qu'effectivement, les abstentionnistes, ils votent de la même manière, ils voteraient de la même manière que ceux qui votent, mais pas à l'échelle nationale, mais pris par bloc de cohérence sociale. Bon. Pour dire les choses autrement, les secteurs qui votent majoritairement Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle ou la NUPES aux élections législatives, ils votent peu, mais ceux qui appartiennent à la même catégorie sociale ou socio-géographique, s'ils se mettaient à voter, ils voteraient à peu près dans les mêmes proportions que les autres. Donc, tout ça pour dire que si, dans ces secteurs-là, on augmente le taux de participation, mécaniquement, le bloc de gauche, il monte d'autant, et les autres blocs montent moins. Donc c'est une première idée reçue à laquelle vous tordez le cou, et je trouve que c'est déterminant. La deuxième idée reçue, vous l'avez dit, je ne reviens pas, c'est l'idée de dire que ça a toujours été comme ça, que toujours les pauvres votaient moins que les riches, etc. Et ce que montre ce graphique, c'est l'inverse. On ne l'a pas dit là, mais il montre même quelque chose, c'est qu'entre 1960 et 2000, les pauvres votaient davantage que les riches. Et on dira peut-être dans la deuxième question, peut-être des éléments d'explication sur ce sujet. Donc tout ça pour dire, oui, c'est crédible. Alors après, dans quelle proportion faut-il faire voter davantage d'abstentionnistes pour remporter des élections? Je vous donne quelques éléments d'une étude qui a été faite par des journalistes du Monde, dont je prends tout de suite les précautions méthodologiques, mais qui fait des études de combien de second tour aux élections législatives fallait inverser pour transformer, passer d'une situation de majorité relative dominée par les macronistes à une situation de majorité relative dominée par la NUPES et à une situation de majorité absolue dominée par la NUPES. Forcément, ça donne des ordres de grandeur, c'est pas quelque chose d'exact, parce que ça veut dire qu'on va uniquement dans les circonscriptions dans lesquelles il faut inverser ces résultats. Mais ils disent qu'il fallait à peu près 50 000 voix aux dernières élections législatives pour faire en sorte que la NUPES ait une majorité relative. Aux dernières élections législatives, il y a eu 26 millions d'abstentionnistes. Si vous ramenez ces 50 000 voix, c'est 0,2% des abstentionnistes qu'il faut ramener dans le vote. Bien évidemment, si vous les ramenez tous pour voter pour vous, c'est un ordre de grandeur. Et ça vous permet d'inverser le résultat. Le même travail qui a été fait dit qu'il a manqué à peu près 400 000 voix à la NUPES pour avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Dans ce cas-là, vous aviez 289 députés de la NUPES, 133 députés macronistes, 63 députés du Rassemblement national. 400 000 voix ramenées aux 26 millions d'abstentionnistes, c'est 1,5% des abstentionnistes qu'il faut ramener aux urnes, bien évidemment, là aussi, s'ils votent tous pour nous, pour faire en sorte d'inverser cette situation. Tout ça pour dire, oui, je pense que la stratégie du quatrième bloc est crédible. Elle nécessite, bien évidemment, un travail militant, on y reviendra dans un deuxième temps. Pour conclure, je vous donne un exemple, une illustration de ça, à mon avis, c'est la question de la jeunesse. Parce que là, on a parlé surtout des catégories économiques. La jeunesse, aux élections présidentielles, les 18-24 ans, ça c'est des sondages post-électoraux qui le disent, les 18-24 ans, ils votent à 38% Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, mais ils votent à 66% en moyenne, alors que l'ensemble de la population vote à 77% en moyenne. Donc si vous ramenez le taux de participation des 18-24 ans au même taux que le taux moyen de la population, vous avez une marge de progression qui est déterminante. De la même manière, la NUPES aux élections législatives, 18-24 ans, 42%. Mais
ils votent à 24% en moyenne, alors que c'est 48% le taux de participation moyen aux élections législatives. Donc là, vous avez quasiment 20 points, plus de 20 points de participation à ramener pour ramener les 18-24 ans au taux moyen de vote. Et donc, c'est des électeurs qui voteront pas tous Mélenchon ou France Insoumise ou NUPES, mais qui voteront normalement à peu près dans les mêmes proportions, c'est-à-dire autour de 40%, et donc vous avez une progression. Vous dites, et je m'arrêterai là-dessus, j'ai repris une citation du livre parce que je l'ai trouvée intéressante, et puis c'est pour montrer que je l'avais vraiment lue. Vous dites une phrase que j'ai trouvée déterminante, vous dites tout le vote rassemblé par le bloc libéral progressiste lors des scrutins de 2022 apparaît relativement faible, 28% des voix au premier tour des présidentielles, 30% au premier tour des législatives, d'autant plus qu'il est obtenu avec un différentiel de participation entre communes riches et pauvres extrêmement élevé et inconnu dans le passé. C'est ce qu'on voit sur le graphique. Si toutes les catégories de territoires avaient la même participation, tout en continuant de voter en moyenne comme elles le font actuellement, alors le score du bloc libéral progressiste serait sensiblement plus réduit, autour de 20-25%. Compte tenu du fait que la participation est particulièrement faible dans les communes pauvres urbaines, une telle remontée de la participation conduirait à une forte hausse du score du bloc social écologique. Voilà, je pense que ça, c'est une convergence forte avec ce que vous avez écrit. Et je vous remercie pour ces graphiques-là, parce que moi, je ne savais pas non plus qu'on allait tomber sur un résultat comme ça, mais je trouve qu'il renforce notre détermination à travailler dans ce quatrième bloc. Merci. Marion, on m'entend ? Marion Carrel, tu as particulièrement travaillé sur les quartiers populaires qui sont marqués par l'extrême précarité mais aussi l'expérience du racisme. Est-ce que tu considères que l'abstention qui marque ces espaces est une fatalité ? Vous m'entendez ? Ça met toujours un peu de temps à démarrer. Je prends ce micro. Merci beaucoup pour ce livre, merci pour l'invitation et pour cette possibilité de discuter tous ensemble. Je suis particulièrement impressionnée par la qualité de l'écoute malgré l'heure avancée. Donc juste un petit mot sur d'où je parle. Moi, je suis sociologue et en plus pas spécialiste de la sociologie électorale, donc c'est un peu décalé, mais en fait ça va résonner beaucoup avec tout ce qui a été dit jusqu'ici, notamment avec les propos de Mathilde Panot. Donc moi j'étudie avec mes collègues le rapport des classes populaires aux politiques, mais au sens large, donc l'engagement associatif, la participation citoyenne, la démocratie participative parfois, mais aussi l'auto-organisation des gens. Et avec mes collègues, on mène l'enquête dans les quartiers populaires urbains dont on a déjà parlé, les cités d'habitat social, mais aussi dans le milieu de la grande pauvreté. Donc je travaille notamment avec ATD Carmonde et en pratiquant aussi la recherche-action au plus près de la réflexivité des gens. D'ailleurs, c'est juste un mot en introduction que je voudrais dire, c'est qu'on constate le même phénomène pour les plus pauvres, qu'ils soient d'ailleurs urbains ou ruraux, pour les femmes, pour les minorités, pour les non-diplômés. Ces personnes sont porteuses de savoirs issus de leur expérience de l'injustice et ont d'ailleurs beaucoup plus qu'on ne le pense une politisation ordinaire sur ce qui leur arrive. Mais massivement font preuve d'une profonde autodisqualification dans le fait d'avoir des choses à dire, dans le fait de pouvoir faire quelque chose contre cette situation et dans le fait d'avoir du pouvoir, notamment du pouvoir par le vote. Et donc, ce qu'on peut constater, c'est que même dans les quartiers populaires, malheureusement, mais il y a encore du boulot, eh bien, ces populations-là, elles rencontrent pas assez, plus assez, une offre associative, politique, syndicale, qui partent de leur expérience, notamment des discriminations, et qui leur permettent de développer collectivement ce pouvoir d'agir. Alors, est-ce que l'abstention, c'est une fatalité ? C'était la question. Donc, il y a un livre super que je vous recommande, un livre collectif qui vient de paraître à la Fondation Gabriel Péri, coordonné par Louise Gaxi, sur est-ce que les classes populaires ont rompu avec la politique ? Et il y a plein de collègues et des élus aussi qui répondent et qui... Évidemment, le constat est plutôt inquiétant, ça a été dit, je ne vais pas insister trop lourdement, mais effectivement, ça a été dit en introduction, les quartiers populaires, les habitants des quartiers populaires, quand ils votent massivement à gauche. C'est le cas aussi dans d'autres territoires. Mais malheureusement, l'abstention reste majoritaire parmi eux. On l'a dit, plus de 70% d'abstention législative de 2022 dans des villes comme Sarcelles, Vaux-en-Velin, Roubaix, Stain, plus de 70% d'abstention. Donc, il y a plein de choses qui l'expliquent et tous les collègues en parlent, mais ça reste quand même un vrai problème.
Et cette abstention, ben non, nous chercheurs, on pense que ce n'est pas une fatalité quand on va voir sur le terrain, et ça a été déjà un peu dit. Je dirais même qu'imaginer laisser tomber les abstentionnistes au motif que stratégiquement, ils seraient trop loin du vote, ça serait dramatique sur le plan de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie quand on laisse de côté toute une partie de la population, et notamment les plus précaires. Donc, il existe des conditions sociales et politiques d'une remobilisation. Sans faire trop long, il est tard, mais je m'appuie notamment sur une enquête collective qu'on a menée avec Julien Talpin et d'autres collègues de longue haleine dans les quartiers populaires, dans 6 quartiers de France, dans 6 communes populaires de France, et puis un peu à l'étranger aussi. Et on regardait la façon dont l'expérience des discriminations, en particulier territoriale, le fait de vivre dans un territoire comme la Seine-Saint-Denis où on n'est pas aussi bien traité vis-à-vis des pouvoirs publics qu'ailleurs, et les discriminations aussi raciales et religieuses, comment vivent les gens ces discriminations, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et ce qu'il apparaît, c'est que ça suscite souvent chez les gens une politisation ordinaire, mais que cette politisation ordinaire, elle a du mal à être captée par les organisations politique associative. Cette politisation ordinaire, elle apparaît encore comme un potentiel politique à ce jour peu mobilisé. Je parle bien de tous ces abstentionnistes là qu'on a rencontrés. Et ce potentiel, il pourrait constituer les bases d'un retour possible à l'engagement et au vote, à condition qu'on réfléchisse à une alliance, et donc c'est déjà ce qui a été dit, hein, des ponts, avec les autres fractions des classes populaires autour de l'enjeu de l'égalité. Donc très rapidement, ce qu'on a vu, nous, c'est que cette politisation ordinaire, elle peut prendre de l'ampleur et peut-être amener au vote et travailler sur tout ce qu'on vient de dire là. Quand il y a deux choses, quand d'une part, il y a un travail militant de longue haleine, au plus proche du quotidien des gens, partant ou s'appuyant notamment sur les leaders, enfin les gens dans les quartiers qu'on connaît, qui nous ressemblent, et pas des gens parachutés qu'on voit que 5 minutes juste avant les élections. Et puis, deuxième phénomène, c'est quand les formats d'engagement sont participatifs, horizontaux, portés sur l'action, quand on voit qu'on va améliorer le quotidien et donc faire ensemble plutôt que des idéologies. A priori, c'est comme ça qu'on rentre dans un engagement. Je termine en disant que mes collègues spécialistes de la sociologie électorale avancent d'autres pistes. Par exemple, la simplification des règles électorales, le fait de tenir les élections, plusieurs élections le même jour, ça a été évoqué. Peut-être certains parlent de vote obligatoire. Thomas et Julia, dans votre intro aussi, enfin dans votre livre, vous en parlez, l'idée, la piste de faire comme pour la parité homme-femme sur les listes, enfin dans les élections, et d'avoir 50% d'ouvriers et d'employés dans ces listes-là, ce qui équivaudrait à la même proportion. Il y a 50% d'employés et d'ouvriers en France. Donc voilà. J'ajouterais qu'une proportion importante relativement à la proportion en France des minorités ethno-raciales serait aussi une très bonne piste. Mais notre enquête, au-delà de cette question de la stratégie, enfin des élections, elle pointe sur l'importance, je répète, d'une offre associative et politique qui s'adresse aux gens en partant des injustices telles qu'ils les vivent, qu'ils les pensent et qu'ils les formulent. Pour terminer là-dessus, il s'agit vraiment de partir de leur colère horizontale, on parle comme ça des fois, la colère horizontale, c'est-à-dire parfois qui peut s'exprimer sous forme de repli identitaire. J'ai pas d'avenir et j'ai pas d'espoir parce que c'est la cause de mon voisin rom, noir ou arabe, pour arriver à une colère verticale, verticaliser la colère, comme disent certains militants, c'est-à-dire lutter contre les discriminations qui n'est rien d'autre qu'une aspiration à l'égalité. Donc réclamer bien sûr la redistribution économique et sociale des richesses, accès au travail et au logement, mais aussi le respect des droits et de la dignité, au droit de ne pas être discriminé du fait de sa pauvreté, son origine, son milieu de vie. On y reviendra après. Ce n'est pas propre uniquement au quartier populaire, me semble-t-il. C'est quelque chose qui est partagé par tout le peuple plutôt pauvre qui pourrait revenir aux urnes si on s'y met tous. Merci. Sur ce second graphique, on regarde les écarts de participation entre les types de communes au cours de l'histoire, donc toujours de 1848 à gauche à 2022 tout à droite. Et donc les communes de France sont classées entre 4 blocs, les villages en vert, les bourgs en bleu, les banlieues en rouge et les métropoles en jaune. Ici, lorsqu'une courbe va dans la moitié basse du graphique, donc sous le trait noir, ça veut dire que les électeurs participent moins aux élections que la moyenne nationale. À l'inverse, lorsque la courbe va dans la moitié haute,
ça veut dire que les électeurs participent davantage que la moyenne nationale. Julia Cagé et Thomas Piketty, sur ce graphique, on observe que les espaces qui votent le plus fortement pour le bloc populaire sont les métropoles et les banlieues, donc la composante la plus populaire. Or, ces espaces sous-votent très largement par rapport aux villages. Est-ce que ça a toujours été le cas dans l'histoire? Et sur quelle base s'organisait leur participation lorsqu'elle était au contraire dominante par rapport aux bourgs et aux villages entre les années 1930 et 1970 environ? Je vais répondre sur le graphique, mais je voudrais répondre avant, ou peut-être je laisserai répondre Thomas sur le graphique, comme ça on ne sera pas trop loin d'eux, mais je vais répondre, prolonger ce que vient de dire Marion, notamment sur la question de ce qu'on appelle la parité sociale, parce qu'on pense que ça joue un rôle vraiment fondamental. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, si vous prenez le pourcentage d'employés et d'ouvriers parmi les députés, on atteint difficilement 5% sur la dernière législature qui a commencé en 2022. C'est un vrai progrès historique par rapport à la précédente, puisqu'à la précédente, on avait 2% d'employés et ouvriers et on atteignait le chiffre impressionnant de 0% d'ouvriers. Alors, à une exception près, Jean Lassalle se classait comme ouvrier. On pourrait toujours lui donner ça. A priori, je l'aurais reclassé différemment en 2017. Si on est sérieux et que vous prenez depuis 1958, donc le début de la Ve République, vous avez toujours eu une proportion d'employés et d'ouvriers à l'Assemblée qui n'a jamais dépassé 20% en France. Elle a plutôt été en dessous de 10% et elle s'est effondrée au cours des dernières années. Ce qui est inquiétant aussi, c'est que c'est quand même aussi vrai des mandatures où la gauche avait la majorité que de celles où la droite avait la majorité. Il y a eu un rebond en 2022. Ce rebond, il a été en grande partie quand même poussé et tiré par les insoumis qui justement sont allés chercher des députés, enfin des candidats députés à l'image de la population. Et ça, je pense que ça joue vraiment un rôle fondamental pour aller reconquérir les électeurs et pour aller reconvaincre les gens de se rendre aux urnes. Alors quand vous dites ça, vous avez des gens qui bondissent absolument en disant « mais non, c'est pas parce que vous êtes une femme que vous votez pour une femme, c'est pas parce que vous êtes jeune que vous votez pour un jeune, etc., etc. » C'est pas faux en soi. Par contre, si vous faites partie d'une catégorie sociale, par exemple, vous êtes un ouvrier femme précarisé, et que vous n'avez plus aucun candidat à votre image, un. Et deuxièmement, il faut bien le reconnaître que les politiques menées depuis un certain nombre d'années, voire de décennies, ne répondent pas du tout à vos attentes et à vos préférences, bah à un moment, vous vous mettez un tout petit peu à associer les deux, et vous n'allez plus voter. Et en fait, quand vous regardez la tendance, on parle aux gens en termes de représentativité, et alors la réponse politique souvent facile, c'est de dire « Ah mais oui, mais regardez les femmes. Il y a de plus en plus de femmes, donc on a résolu le problème de la représentativité. On a amélioré le problème de la parité entre hommes et femmes en politique. On ne l'a pas fait comme ça. On ne l'a pas fait du fait qu'il y avait une tendance naturelle à avoir plus de femmes en politique. On l'a fait parce qu'on a passé des régulations pour améliorer la parité en politique avec des règles qui rendent obligatoires et encore des règles insuffisamment restrictives parce que vous avez encore des partis comme les Républicains aujourd'hui, mais pas que, qui préfèrent perdre 1 million d'euros d'argent public par an plutôt que de présenter une moitié de candidats femmes. Fondamentalement, si vous regardez les tendances, la représentativité et la parité sociale, donc le fait d'avoir une juste représentativité des ouvriers et des employés, on n'améliorera pas ça sans changer les règles. Parce que le manque d'employés et d'ouvriers parmi les députés, ça ne vient pas du tout du choix des électeurs. Ce n'est pas quand on offre à un électeur le choix pour un même parti, pour un même programme entre un cadre et un ouvrier ou un cadre et un employé, l'électeur employé ne va pas se dire « Ah, bah, je vais voter pour le cadre parce que peut-être comme il est cadre, il est plus compétent. » Ce n'est pas ça qu'on observe dans les données. Ce qu'on observe dans les données, c'est qu'il n'y a pas de candidat employé, qu'il n'y a pas de candidat ouvrier, parce qu'il se trouve que le développement des dernières décennies des différents partis politiques, y compris à gauche, et encore une fois, ça a changé un peu en 2022 et c'est allé dans la bonne direction, a tendance en fait à proposer des personnalités politiques qui ne sont pas à l'image de la réalité de la société. Et quand on a des tendances qui ne s'inversent pas et qui sont de long cours, donc 58-2022, ça fait quand même un trend plutôt décroissant, mais la seule solution d'après nous, c'est quand même de passer par la régulation. Et on pense que pour les mêmes raisons qu'on a introduit des règles de parité entre les femmes et les hommes, ça serait important pour reconquérir en termes de participation d'apporter des règles de parité d'un point de vue social. Alors soit vous le faites en CSP, employés ouvriers, ce qui peut être un peu compliqué, notamment parce qu'on discutait tout à l'heure la question des revenus. Et vous pouvez parfois avoir
des gens qui vont être davantage diplômés, qui vont être dans les professions intermédiaires, qui vont être des infirmières, par exemple, des professeurs des écoles à bac plus 3, plus 4, plus 5, qui vont avoir des revenus plus faibles qu'un certain nombre d'ouvriers plus qualifiés. Donc peut-être qu'il faudrait mieux le faire avec le revenu qu'avec la CSP, mais en tout cas, si on ne pense pas à cette parité sociale, il y a une partie du déficit de participation qu'on n'arrivera pas, d'après nous, à reconquérir. Et du coup, je te laisse le jaune, le rouge, le bleu et le vert. Bon, alors moi, je vais revenir sur le graphique de façon plus triviale, mais alors qu'est-ce que, juste là, les villages, bourgs, banlieues, métropoles, dans cette représentation-là, les villages, c'est les habitants des agglomérations de moins de 2000 habitants, bourgs, c'est entre 2000 et 100 000, puis après, dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, la commune centrale, c'est la métropole, et les communes secondaires sont les banlieues. Et actuellement, la population française, c'est pas tout à fait 4 quarts, mais c'est, disons, 20% village, 30% bourg, 30% banlieue, 20% métropole, grosso modo. Évidemment, en 1840, c'était les métropoles, les banlieues, c'était 2% chacun, et on avait pratiquement deux moitiés pour les villages et les bourgs. Donc c'est des réalités différentes. Le point ici, c'est qu'on voit une participation là, en fin de période qui augmente beaucoup dans les villages par rapport aux banlieues, notamment, où elle diminue. Ça a généralement été le cas que le monde rural a voté plus que le monde urbain, mais là encore, on voit des exceptions. C'est-à-dire on voit toute une période, en gros, qui est la période de forte mobilisation communiste, pour résumer, de 1930 jusqu'en 1970, où les banlieues votent plus que tout le monde. Et si on regarde dans le détail quelles sont les banlieues qui votent plus, il y a vraiment une mobilisation communiste qui est très forte à ce moment-là. Bon, ce que montre pas ce graphique, et il y a d'autres graphiques beaucoup plus détaillés, c'est qu'évidemment, à l'intérieur des banlieues, il faut regarder les banlieues pauvres, les banlieues riches, à l'intérieur des villages. Donc là, on met juste quatre catégories, ce qui est en fait très grossier. Le graphique précédent qu'on avait nous a montré à quel point c'est plutôt les inégalités entre communes pauvres et communes riches à l'intérieur de chacune de ces catégories qui ont complètement explosé au cours de la période. Et peut-être juste un tout petit mot sur un des débats centraux qu'on a ce soir sur la stratégie du quatrième bloc par rapport à la stratégie des classes populaires rurales. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on aimerait bien pouvoir faire les deux. Ce serait mieux. Et d'une façon, on faut forcément faire les deux. Je veux vraiment insister sur le fait que, évidemment, on peut avoir l'impression que refaire monter la participation dans le monde urbain, dans les classes populaires urbaines qui votent déjà beaucoup pour la gauche, c'est la chose, disons, la plus atteignable, la plus naturelle. Et je comprends ce que disaient Jean-Luc, Emmanuel tout à l'heure. C'est assez logique. Mais quand même, je pense vraiment que faire revenir des classes populaires rurales qui n'ont pas toujours voté à droite, les écarts de vote rural-urbain étaient beaucoup plus faibles à l'époque de Mitterrand et pendant l'essentiel du XXe siècle que ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est pas quelque chose d'inatteignable. Et Stéphano, tout à l'heure, disait, et on n'a pas eu le temps de revenir, l'idée que les électeurs, les classes populaires rurales qui votent RN actuellement sont, d'une certaine façon, trop conquises par le néolibéralisme ou trop dans l'orbite du néolibéralisme pour pouvoir les refaire revenir à gauche. Là, je voudrais marquer quand même une petite différence. C'est-à-dire que si elles étaient vraiment dans l'orbite du néolibéralisme, elles pourraient voter LR, Sarkozy, Zemmour. Elles n'auraient pas besoin de voter RN. Et si on regarde justement dans le basculement en 2007-2012, quand le vote RN devient vraiment rural et populaire, et où en fait Sarkozy parvient à aspirer l'électorat urbain et très anti-immigré de Marine Le Pen, enfin de Jean-Marie Le Pen, à grands coups de discours sur la racaille, sur le Karcher, etc. Ça marche avec certaines composantes de l'électorat FN, essentiellement urbain, à proximité d'immigrés, et plus bourgeois qu'on le dit, qu'on retrouve aujourd'hui avec l'électorat Zemmour. Ça ne marche pas sur cet électorat rural, populaire, qui, lui, quand on essaye d'expliquer les bons scores actuels du RN dans cet électorat rural populaire, ce qu'on voit vraiment, c'est les traces du référendum de 2005. C'est-à-dire que les personnes qui ont voté non en 2005 dans les bourgs et les villages où il y avait une forte proportion d'ouvriers, et là, on a des votes RN considérables. Donc, s'ils étaient sous l'emprise du néolibéralisme, voilà, ils n'auraient pas eu cette opposition très forte au traité de 2005 et surtout cette
cette détestation de Sarkozy et de LR pour avoir fait le traité d'Amsterdam par la voie parlementaire, qu'il leur reste quand même en travers de la gorge. Donc voilà, juste pour dire, je pense qu'il ne faut pas se désespérer de l'idée que les classes populaires rurales ne sont pas atteignables pour la gauche. Et le fait qu'il y ait quand même cette forte mobilisation électorale, cette forte participation dans les villages, ça ne va pas baisser comme ça. C'est-à-dire, on a des personnes qui votent et il ne faut pas... Donc c'est peut-être plus... Voilà, il faut faire augmenter la participation dans les banlieues, c'est certain, mais bon, ne négligeons pas cet énorme potentiel de personnes qui votent et qui ont en fait une aspiration à la justice sociale beaucoup plus qu'une aspiration au Karcher et à foutre la racaille dehors, sinon ils seraient déjà passés à Sarkozy et Zemmour depuis longtemps. Merci. Manuel Bompard, comment, à partir de tout ça, est-ce qu'on peut considérer et évaluer l'assise sociale disponible à une radicalité programmatique et politique à vocation majoritaire ? Bonne question. Non, en fait, d'abord, je vais répondre à la question, mais juste parce que je pense que c'est important aussi l'échange, et honnêtement, ça mériterait encore 3 ou 4 heures de discussion. Bien évidemment, l'objectif, c'est de faire les deux. Je pense que ce qui a été le sujet de la discussion de la première table ronde nécessite de poursuivre les discussions et les échanges, parce que dans le livre, moi ça m'interroge, je ne dis pas que je suis en désaccord avec, hein, mais dans le livre, on voit aussi, alors on voit quelque chose de très important, et ça je pense qu'on est tous d'accord ici, qui est l'idée de dire que c'est pas la matrice identitaire qui permet de faire ce travail, mais vous explorez aussi, du fait de la composition, de la différence de composition sociale entre l'électorat populaire urbain et l'électorat populaire rural, notamment le rapport à la propriété, etc., vous identifiez des leviers programmatiques sur lesquels on a besoin de débattre et de discuter. Voilà. Et vous identifiez ce qui peut être parfois dans mon point de vue, une contradiction. À la fois, je comprends très bien l'idée, c'est autour de la question écologique, c'est-à-dire, à la fois, je comprends très bien l'idée que vous abordez dans le bouquin qui dit attention que le discours écologique ne soit pas un discours territorialisé, c'est-à-dire, en gros, les villes, elles sont bien, et les campagnes, elles font n'importe quoi, et soit bien un discours écologique de classe. Ça, c'est un point sur lequel on est d'accord. Pour autant, je suis obligé de dire ici que l'accès à la propriété individuelle comme projet de développement des espaces villageois pose un certain nombre d'enjeux du point de vue écologique qui sont un problème. Voilà. Donc, je trouve que voilà, là, j'ai des interrogations. Hein. Je ne dis pas que... C'est-à-dire, je vois la complexité de ce travail-là et je vois la marge et la sphère de progression dans l'électorat urbain qui ne vote pas, qui je trouve, et par un travail militant, par tout ce que vous avez dit, s'envisage comme étant le résultat d'une action politique immédiate, là où dans les phénomènes que vous analysez, notamment du passage de la tripartition à la bipartition à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, on voit que c'est aussi le résultat de politiques publiques. Et pour faire des politiques publiques, il faut être au pouvoir. Et pour être au pouvoir, il faut avoir gagné. Voilà. Je ne dis pas que ça ne veut pas dire que le discours ne permet pas d'aider aussi, ou la campagne, ou les propositions programmatiques ne permettent pas aussi d'aider, mais je trouve que c'est un travail qui prend du temps, qui nécessite voilà, toute la partie service public, etc. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus ici. Je crois que tout le monde défend l'idée que l'axe service public partout sur le territoire, la convergence des conditions de vie à la campagne, dans les bourgs et dans les banlieues, tout ça, c'est des points d'appui, ok. Mais il y a des questions politiques profondes derrière sur lesquelles je pense que ça mériterait quasiment une soirée entière. Voilà, ça c'est juste pour réagir à ce qui a été dit, mais pas comme une mise à distance, hein, mais comme une dialectique de la discussion entre nous. Pour le reste, pour répondre rapidement à ta question et pour ne pas prendre trop de temps, je trouve que ce qui est frappant et ce qui est marquant, ça a été dit un petit peu par Thomas Piketty à l'instant, c'est que les moments où, dans la courbe, les banlieues votaient davantage que les autres espaces territoriaux, géographiques, c'est les moments où il y avait une proposition politique claire de rupture avec le système tel qu'il est aujourd'hui qui était porté par la gauche. C'est-à-dire, c'est les moments où la gauche, elle était sous hégémonie communiste et socialiste d'un projet radical. Voilà. C'est les années
qu'on voit ici, 1920 jusqu'à quasiment 1980. Voilà. De mon point de vue, ça confirme l'idée que si vous voulez ramener la participation de ces endroits à des niveaux qui sont des niveaux moyens, voire plus haut que le reste, vous devez être sur un projet politique clairement identifié, avec une radicalité clairement identifiée. Sinon, vous n'y arrivez pas. Ah, je pense que c'est une confirmation. En tout cas, moi, c'est l'analyse que je fais de ces données. D'ailleurs, alors après, vous faites un travail sur 160 ans, 180 ans même. Donc, forcément, c'est difficile. Et je n'aurais pas la prétention de dire que la petite inflexion de la courbe rouge ici entre 2017 et 2022 est le résultat du travail de la France insoumise. Mais je veux quand même dire, sans avoir cette prétention, je veux quand même dire que, vous savez, c'est intéressant parce que j'ai eu des sondeurs. Vous savez pourquoi les sondeurs, quand ils sortent le premier résultat électoral de Mélenchon à la présidentielle à 20h, il est autour de 18-19% et à 23h, il est à 22%. Parce que les sondeurs vont faire des estimations électorales à 20h, ils s'appuient sur des bureaux tests. Et ces bureaux tests, ils sont compilés sur la base des résultats électoraux précédents. Et cet agglomérat de bureaux tests permet d'avoir une bonne représentation du score national. Et là, les sondeurs vont vous dire que leurs bureaux tests n'étaient pas des bureaux représentatifs, parce qu'il y a eu un surplus de participation pour le vote Mélenchon dans les quartiers et dans les bureaux des quartiers populaires. Donc, je ne dis pas ça pour dire on a tout réussi, on a tout bien fait, etc. Je dis juste ça pour dire, de mon point de vue, et je ne sais pas si peut-être qu'on ne le voit pas là sur les courbes, mais je trouve que le travail qu'on a fait entre 2017 et 2022, il a commencé à porter ses fruits. Ouais, par ailleurs, c'est les législatives, c'est vrai. C'est les législatives, donc ce n'est pas cette courbe qui le montre. Bon, voilà, tout ça pour dire... Ça ne veut pas dire qu'on a fait tout le travail, ça ne veut pas dire... Hein, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'on a commencé à y arriver. À mon avis, c'est une perception de ça. Enfin, dernier élément, je ne vais pas le détailler, mais c'est toujours sur la question, parce que la question, c'est la radicalité, etc. Si vous regardez les sondages aujourd'hui, il y a une demande de radicalité dans le pays. Quand vous avez 70%, 65 à 70% des Français qui ont une mauvaise opinion du capitalisme, c'est une demande d'un programme de rupture. Quand vous en avez 70% des Français, sondage de 2022, qui considèrent que notre modèle économique est incompatible avec la protection de l'environnement et la lutte contre la crise climatique, c'est qu'il y a une demande et une exigence de radicalité pour répondre à l'urgence climatique. Donc tout ça pour dire oui, je pense que les deux objectifs, la conquête du quatrième bloc, nécessite une gauche qui soit sous, je ne vais pas dire une hégémonie, mais qui soit dominée ou polarisée sur une orientation de rupture. Et cette orientation de rupture, c'est celle, je crois, que nous avons commencé à développer et que nous allons continuer à développer dans les prochains mois et dans les prochaines années. Voilà. Marion Carrel, de quelle façon est-ce que l'auto-organisation populaire dans les quartiers donc populaires joue un rôle dans la repolitisation de ces espaces et l'affaiblissement à terme de l'abstention ? Ok. En fait, juste avant ça, dire un mot sur toute la politisation ordinaire dont j'ai déjà parlé et le fait que effectivement, on ne pourra pas remobiliser les abstentionnistes, notamment dans le rural ou dans l'urbain, sans faire des questions de discrimination un enjeu central, mais ce serait une erreur d'analyse d'y voir une question en fait identitaire. Il s'agit bien là, dans notre enquête le montre, d'articuler les questions sociales, raciales, de discrimination territoriale, etc. Donc c'est bien l'enjeu d'égalité qui permet de rassembler les aspirations des différentes fractions des classes populaires. Et puis de ne pas du coup opposer trop fortement, votre travail le montre super bien, les banlieues pauvres et les bourgs et les villages pauvres sur les questions identitaires. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous dans votre introduction quand vous dites que le clivage rural-urbain il appelle à des solutions socio-économiques, meilleure répartition des services publics par exemple, mais on ne peut pas laisser sous silence les discriminations au motif qu'elles renverraient au conflit identitaire. D'ailleurs il y a quand même 25% de 25 motifs de discrimination dans la loi et oui, parler de ces discriminations, le lieu de résidence, la pauvreté, l'âge, l'apparence physique, le sexe, l'origine, etc. C'est crucial si on veut s'adresser aux abstentionnistes qui sentent bien dans leur vie quotidienne que leurs conditions
est source d'injustice. Et vous le dites d'ailleurs dans votre introduction, Thomas et Julia, vous dites, je vous cite, « La prise en compte de multiples formes de différences socioculturelles et ethno-religieuses exige parfois l'invention de nouvelles politiques fondées sur le respect de la diversité et des règles communes, la lutte contre les discriminations. » Là où je voulais en arriver pour discuter un peu plus, c'est que donc on est donc d'accord a priori qu'afficher une lutte contre les discriminations, qu'elle soit territoriale, raciale, etc., c'est pas jouer le jeu du conflit identitaire, mais c'est bien ramener la question de l'égalité dans le débat. Et là où j'ai un petit désaccord avec vous dans une de vos phrases de l'introduction, je vous cite, vous dites « Les conflits identitaires fondés sur l'origine géographique, les identités ethniques ou religieuses, donc tous ces conflits, n'admettent souvent pas d'autre solution que l'exacerbation du conflit ou le terrassement d'un camp sur l'autre. » Et ça, c'est une grande question, parce que on peut voir, et là je vais prendre un exemple, que des conflits dits identitaires, le mot n'est pas correct en réalité, mais peuvent déboucher sur une solidarité entre différents discriminés, en fait, pour le dire vite, les blancs des bourgs ruraux et pauvres, et les immigrés des quartiers populaires. Sous l'angle de l'égalité. Un exemple, je le pique à un collègue qui s'appelle Raphaël Chalier et qui a travaillé sur les gilets jaunes en milieu rural en Lorraine, dans deux bourgs de Lorraine, et en fait dans une ruralité populaire fragilisée, désindustrialisation, etc., où les scores du RN sont très élevés. Et il montre que les gilets jaunes ont conduit à un moment donné à l'émergence de discours beaucoup moins tournés vers les immigrés, les assistés, les cas sociaux, et beaucoup plus vers les gens d'en haut, les institutions, donc un discours plus égalitaire. Et l'anecdote que Raphaël Chalier donne rapidement, c'est qu'il va discuter avec des gilets jaunes sur un rond-point, certains votent Rassemblement National, et ils évoquent l'arrestation des gamins de Mantes-la-Jolie par la police, main sur la tête, ils miment le geste et ils expriment ainsi leur solidarité à l'égard de ces jeunes. Et donc une telle marque de solidarité à destination des jeunes habitants des quartiers populaires, majoritairement noirs et arabes, témoigne d'un regain de solidarité de classe et une réorientation de la conscience sociale dans un sens plus protestataire. Et on se sent du côté de ceux d'en bas contre ceux d'en haut. Donc c'est toute l'histoire de la bipolarisation que vous dites. Cela dit, bon, ça vaut dans les cités comme sur les ronds-points, quand il n'y a pas d'articulation entre cette politisation ordinaire et des militants, quelque chose de plus durable, cette politisation elle risque d'être éphémère ou de ne pas déboucher massivement sur le vote. Donc je termine sur la question sur des exemples. D'auto-organisation populaire, de community organizing. Donc en fait, bon, c'est une piste parmi d'autres pour développer la politisation ordinaire, pour amener les abstentionnistes au vote. C'est une forme de mobilisation par le bas qui consiste à ce que des organisateurs investissent des cages d'escalier, des marchés, des préaux d'école et des usines. Alors ça parle à plein de militants ici, je suppose. Et de les accompagner, alors pas tant pour aller voter, c'est pas ça l'idée là, mais les accompagner dans le fait de mener des campagnes. Des campagnes qui vont arriver à des petits succès, par exemple, faire en sorte que le bailleur HLM rénove l'ascenseur ou répare l'ascenseur alors même que les charges locatives sont en train d'augmenter. Faire en sorte que plein d'exemples qui permettent d'arriver à des petites victoires et en même temps qui permettent d'avoir un accès à un peu des combats, un combat généralisé et rejoindre d'autres dans la lutte. Alors attention pour terminer à ne pas y voir la seule piste. Et voilà, on est là pour discuter, donc j'y vais, je me lance. Moi, je ne suis pas sûre que tous les abstentionnistes répondent au sondage. Et je ne suis pas certaine non plus que tous les abstentionnistes, en tout cas tous les gens près de qui je travaille, les plus éloignés de la chose publique, on va le dire comme ça, je ne suis pas certaine qu'ils aient tous envie de conflits et de radicalité. Donc c'est une grande question, hein. Je pense qu'il faut une multiplicité de points de vue et d'actions. Hein. Mais les personnes, notamment en situation de grande précarité, de pauvreté, qui sont isolées, etc., bah, en fait, une anecdote, on discutait, moi je fais partie de ceux, classe moyenne supérieure, qui disent « la démocratie, c'est le conflit, il faut retrouver le conflit et tout ». Et les gens en face, très pauvres, qui bloquaient sur ce truc-là, qui disaient que ça ne marchait pas. Donc on a travaillé en groupe de pairs, on est revenu, je vous passe les détails. Et ce qui en ressortait, c'était les gens très précaires disaient « mais le conflit, on n'en peut plus, c'est notre quotidien, on fait un combat tous les jours pour survivre, pour manger. Et en plus, on est en conflit avec nos voisins, on nous traite de cas sociaux, on nous traite d'arabes, etc. On est en conflit avec la famille, on est en conflit avec les travailleurs sociaux. » Et donc, en fait, ce conflit, le lien entre conflit et démocratie, pas évident pour tout le monde en réalité. Donc là, il y a tout un boulot de pluralisme, c'est mon point de vue et c'est ce que je ressors de mes enquêtes, pluralisme du point de vue, pluralisme des stratégies aussi,
vis-à-vis des plus éloignés de la parole publique. Il y a des démarches aussi de faire avec, de travailler en croisement des savoirs, de travailler avec les travailleurs sociaux, de refaire du développement social communautaire, d'encourager les leaders sportifs, etc. Voilà. Et puis pour terminer, grande question, mais je crois que ça sera vous qui conclurez là-dessus, parce que je ne suis pas spécialiste, le parti, le mouvement ou l'Assemblée ? Il y a tout un tas de réflexions sur est-ce que ce n'est pas l'Assemblée maintenant, l'avenir, la discussion collective, la délibération ? Voilà, grande question. Hein. Les Gilets jaunes, ils ont surpris. Il y a eu une mobilisation sans leader, sans militants. Et puis, il y a des gens qui votaient plutôt à droite, qui ont ça a réorienté leur conscience sociale vers la justice et la démocratie. La manifestation de juin 2020, George Floyd, Comité Vérité et Justice pour Adama, a surpris aussi. Voilà plein de gens qui débarquent avec une exigence de justice et d'égalité. Eh bien, en fait, oui, ben, beaucoup d'observateurs estiment que les fractions les plus précarisées des classes populaires sont éloignées, des partis sont dégoûtés, mais et ont une certaine autonomie, en fait. Elles ne se réduisent pas à des spectateurs passifs de leur dépossession. Donc il y a un enjeu, semble-t-il, autour de l'action collective locale, faire ensemble des choses localement, faire agir ensemble et pas seulement discuter. Et donc ma collègue Geneviève Pruvot, parmi d'autres, parle de quotidien politique à propos des actions écologiques, et je rejoins assez tout ça, d'où l'importance du travail associatif, militant, etc. Pour le dire autrement, c'est mon dernier mot, le porte-à-porte et les réunions publiques, à mon sens, ne suffiront pas. Merci, on arrive bientôt à quasiment 3 heures de dialogue. Donc ce que je propose, c'est que je vais vous redonner le micro juste pour faire une conclusion très rapide, dire 2-3 mots. Et voilà, comme ça, on laisse les gens. Oh, bon, en même temps, il est 23h, hein, donc on n'est plus à 2-3 mots près. Donc je propose à Manuel Bompard un débat sur le prêt à taux zéro, puisque c'était ce qui était sous-entendu. Non mais sérieusement, je veux juste souligner une chose, on a été assez optimiste et on a souligné à la fois les fragilités du bloc bourgeois ou du bloc central, du fait de la fragilité de son électorat, on a souligné toutes les contradictions du bloc national patriote. Il ne faut pas sous-estimer les contradictions qui existent à l'intérieur du bloc social écologique et qui viennent notamment du fait que pour le coup, on a beaucoup insisté sur le fait que le vote de gauche, ça restait un vote populaire et qu'on avait un effondrement du vote pour la gauche, plus on montait dans les revenus des communes, à une exception près, qui est le parti écologique. Voilà. Si vous prenez le vote écologique depuis 1974 et depuis Dumont, c'est quand même un vote qui est extrêmement bourgeois au sens de sa relation avec le revenu. C'est vrai avec Dumont, c'est vrai historiquement et c'est très vrai en 2022 avec Yannick Jadot. Alors il y a une exception, c'est pas comme le vote Macron parce que pour le coup il s'effondre à l'intérieur des 5 et des 1% des communes les plus riches. Là on peut se dire que peut-être les électeurs à l'intérieur du 1% des communes les plus riches, le lien entre les écolos et la gauche, ça les ferait un peu, donc ils se tournent quand même vers la droite. Mais il y a ça, et ça c'est la première, je pense, des difficultés et des contradictions qu'il va falloir surmonter. Et c'est pour ça que quand même cette question du PTZ, de l'habitat pavillonnaire, de la voiture individuelle, c'est une question importante. On n'a pas de solution. Il faut juste quand même essayer de la prendre à bras-le-corps. Si on ne résout pas cette contradiction, bah, il va manquer sans doute une petite partie de l'électorat pour passer à un second tour et pour avoir une victoire électorale derrière. Et puisque comme la prochaine élection, c'est quand même les élections européennes, le second point, je pense, où il y a aujourd'hui des contradictions à l'intérieur du bloc de gauche, c'est quand même la question des européennes. Est-ce qu'il va y avoir l'unité ou pas pour les européennes? Nous, on est quand même des partisans, mais là, je pense qu'il y a un accord, enfin, je veux dire, ici, hein, pour l'unité pour les européennes. Et que fondamentalement, si on ne résout pas ces désaccords sur la question européenne, et pour le dire assez rapidement quand même sur comment on fait la désobéissance, puisqu'on voit que le point en fait de rupture, c'est 92, c'est 2005, donc c'est la question européenne, si on ne le résout pas maintenant, moi je ne vois pas comment on va le faire après l'élection européenne, le résoudre avant 2027, alors que le sujet aujourd'hui, il devrait être sur la table. Du coup, ça sera d'autres occasions pour débattre ensemble, et on s'en réjouit. Oui, pour continuer un peu ce que disait Julia et aussi ce que tu disais sur la notion de radicalité, moi je pense qu'il faut faire attention que la radicalité,
bon, il y a la rhétorique et puis il y a le programme. C'est-à-dire que moi je ne trouve pas personnellement que le programme LFI en matière de transformation économique, de transformation du régime de propriété, soit particulièrement radical. C'est-à-dire par rapport au programme de 81 ou de 36 et tout, ça me paraît être un programme très social-démocrate, voire un peu mou. Non, mais sérieusement. Non, mais concrètement, moi je suis très. J'essaye de regarder qu'est-ce qu'on change dans les structures de propriété vraiment. Et de ce point de vue-là, puisque Julia mentionnait le prêt à taux zéro et tu faisais référence à l'habitat pavillonnaire, proposer, comme Marine Le Pen l'a fait en 2022, un prêt à taux zéro qui monte à 120 000 euros et qu'on arrête de rembourser complètement au troisième enfant, donc on récupère 120 000 euros sans le rembourser, c'est assez radical. Sauf qu'elle ne le finance pas, évidemment, parce que comme dans le même temps, elle veut supprimer l'impôt sur la fortune immobilière. Et donc tout ça, évidemment, n'est pas crédible une seconde. Sauf que quelque part, chez la personne qui n'a pas grand-chose et qui veut accéder à son pavillon, c'est quand même un sacré truc. Alors elle mélange ça avec un truc nataliste, avec un truc comme ça, mais il reste que c'est une mesure. Et je pense que la réponse à ça, c'est plutôt de dire, attendez, ce qui compte, c'est l'isolation thermique des logements, c'est comment on organise des transports qui soient moins polluants. Donc on va le faire autrement. Mais après, dans les villages comme ailleurs, il faut bien se loger. Et on ne va pas forcément faire des tours dans chaque village. Et donc le fait d'avoir une maison, un pavillon, et ce serait bien de pouvoir y accéder, y compris quand on n'a pas d'héritage, c'est pas forcément... Donc voilà, sur la question du programme et de la radicalité, de la vraie radicalité dans le programme, on pourrait y passer quelques heures de plus. Et on ne va pas le faire ce soir. Mais merci beaucoup déjà à tout le monde pour ce soir, parce que je trouve que c'était quand même, pour nous en tout cas, très intéressant cette discussion. C'est quand même très exigeant et impressionnant d'aller projeter tous ces graphiques et d'en discuter comme ça aussi tard le soir. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde d'avoir organisé ça. Rapidement, d'abord vous remercier pour le niveau de la discussion, ça a été dit, mais partir de graphiques où quand on les voit, on comprend même pas ce qu'il y a dessus pour après pouvoir en discuter, je trouve que c'est... Non, mais voilà, je trouve que c'est un travail assez inédit, à mon avis, donc, et merci à toutes les personnes qui sont restées. Je relance pas le débat sur la discussion qu'on a, mais c'était pas pour dire... Je dis juste qu'il y a peut-être une contradiction avec ça et la question des limites planétaires, de l'étalement urbain et qui nécessite de discuter. Voilà. Bon, après, j'ai compris aussi quel était le sens de votre proposition. Et les contradictions dont vous avez parlé, parce qu'elles existent aussi, même si, a priori, moi je partage ce constat, elles ont l'air moins marquées socialement que dans le bloc d'extrême droite, par exemple. Pourtant, ces contradictions-là, elles existent. Et je trouve qu'elle rend la partie, dans les deux sphères d'expansion, la partie de la sphère d'expansion on va dire des classes populaires rurales, cette partie-là nécessite de dépasser ces contradictions-là. Voilà, c'était juste le sens de mon propos, mais on aura le temps, j'espère, de pouvoir en rediscuter. Voilà, pour le reste, il y avait d'autres questions, on ne va pas les aborder ici, sur le mouvement, etc. Je veux juste dire par rapport à ce que vous avez dit... Et je ne suis pas en désaccord, je pense qu'on peut à la fois parler de rupture, de radicalité des propositions et du changement de vie. Ça ne veut pas dire que le point d'entrée vis-à-vis d'un certain nombre d'habitantes et d'habitants soit nécessairement le conflit. Je vous donne un exemple. Nous prenons acte de la rupture qui existe entre une grande partie de la population, en particulier de ces quartiers-là, et de l'alternative politique. On a fait des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire, c'est-à-dire commencer par des actions de collecte alimentaire, de solidarité directe, d'aide aux droits, qui a priori ne sont pas forcément les modalités d'intervention d'une organisation politique, mais où on s'est dit, en fait, il faut trouver une manière de renouer du contact et qui ne soit pas juste sur la promesse de « je vais changer la société dans 5 ans si je gagne les élections », mais de comment je peux faire en sorte que la vie elle change tout de suite un petit peu pour recréer aussi un lien de confiance. Voilà. Et après, il y a plein d'autres choses à dire sur le mouvement, le parti, etc. Il est un peu tard pour évoquer tout ça, mais on aura l'occasion, j'espère, d'en reparler. Merci beaucoup de votre participation, merci beaucoup de votre écoute et d'être resté aussi tard. Et merci Paola et toutes les équipes d'organisation. Merci.
Merci, ça marche. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Il se fait un peu tard, donc on va devoir libérer la salle finalement. Mais après, libre à vous de continuer la discussion plus tard et de la prolonger, pourquoi pas passer la nuit entière à discuter d'analyse électorale. Merci beaucoup à Julia Cagé, à Thomas Piketty. Et merci aussi beaucoup à Stefano Palombarini et Marion Carrel d'être venus se prêter à l'exercice. Ainsi qu'à Manuel Bompard, Mathilde Panot et Jean-Luc Mélenchon. Juste un mot pour vous dire que nous étions assez nombreux à voir cette conférence puisqu'on avait ouvert un autre amphi à côté, donc on était 600 ici et plusieurs milliers sur les réseaux sociaux de l'Institut La Boétie. Cette conférence, comme tous les contenus de l'Institut La Boétie, vous pouvez la retrouver sur notre site internet institutlaboétie.fr. On a fait une super petite plateforme pour retrouver tous les contenus qu'on a publiés qui s'appelle La Boétie à la maison, donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à vous inscrire à notre newsletter, nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien rater des événements de l'Institut La Boétie. Je crois savoir que bientôt, il y aura aussi une conférence sur quelqu'un qui sort un livre bientôt le 28 septembre, Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Vous pouvez vous inscrire sur la newsletter en sortant, si vous voulez.